Tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille en dépit des vicissitudes sous le régime obsolète et corrompu d'Ali Bongo. Alors, je viens vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les trafiquants d'organes humains vont être dépouillés. Ils vont être dépouillés. Le livre sur les crimes rituels sortira. Malgré les menaces à deux balles. J'ai pris l'habitude de publier des extraits de ce livre qui est en cours de rédaction. Ce sont des ballons d'essai que j'envoie pour voir les réactions. Je sais que vous attendez ce livre. Je sais que vous êtes aussi lassé par ce phénomène des assassinats avec prélèvement d'organes, pompeusement appelé crime rituel chez nous. La nuit dernière, j'ai publié un extrait sur la mort en 1992, en Zilé, dans la maison de l'ancien ministre Martin Mabala, de deux de ses frères. Alors, les réactions que j'ai, ça m'amuse, ça me fait sourire. Ça signifie que ces enfants ne connaissent pas Moulinda, en fait. Je veux dire, tous ceux qui m'envoient des messages de menaces,
que c'est un coup d'épée dans l'eau. Je veux dire à mon frère Fabrice, dit paga ma bala, que je n'ai pas peur du tribunal. Au contraire, c'est une bonne occasion pour moi d'aller exposer ces problèmes-là. Dans mon excès, je n'ai même pas accusé ma bala. Je n'ai même pas accusé ma bala. Je parle juste du déplacement pour l'enquête. Donc, ma balade n'est même pas mise en cause dans cet extrait. Mais regardez comment il commence à s'agiter. Vous savez, chez moi, dans mon Mandji natal, en pays Guissir, il y a un proverbe qui dit que la vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. La vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. Moi, je m'en fous de ce que les gens peuvent penser là. Des menaces à deux balles. J'ai dépassé le stade d'avoir peur. Je vois l'autre qui demande mon adresse pour venir m'assassiner. Vous pensez que je suis aussi con pour donner mon numéro de téléphone aux enfants des pédéistes? Des pédéistes qui sont des criminels? Vous pensez que je suis assez fou? Je vais vous lire cet extrait qui suscite des réactions disproportionnées de la part des enfants de Mabala. Je crois que ce n'est pas sage. Ils ne rendent pas un bon service à leur père. Parce que ce qu'ils ne savent pas, c'est que je connais trop bien leur père. Et lui-même s'abstiendrait d'agir comme ça. Je vais vous lire l'extrait que j'ai publié la nuit. Le titre, c'est Deux jeunes hommes assassinés dans la maison de Martin Mabala. Parce que il ne suffit pas dans mon livre de dire tel est mort, non. Il faut que je vous relate toutes les péripéties. Parce que ce sont des enquêtes que j'ai menées pendant pratiquement 14 ans. Donc, il faut que je vous transporte sur le terrain. Quand je vous relate les faits, vous devez les vivre, même si c'est raconté au passé. Mais vous devez les vivre. Donc, je vais vous lire cet extrait qui suscite la réaction de mon frère Fabrice du Paga. Il était déjà 6h30 du matin. J'écarquillais les mirettes et saluais la merveille du jour éclos. Ma deuxième journée d'enquête dans le Moyen-Ougoué s'annonçait chargée. Je me précipitais à la douche avant d'aller prendre le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel. J'avais prévu une descente à Saint-Martin-d'Ensilée, petite bourgade située dans les contreforts forts de la province. Un double crime sacrificiel y a eu lieu en 1992 dans la maison de campagne de Martin Mabala, membre influent du Parti démocratique gabonais PDG au pouvoir. Deux de ses cadets, Guy et Paul, qu'il avait envoyés en mission à Lambaréné, furent assassinés, vidés de leur sang et délestés de leurs organes génitaux. Aussi curieux que cela puisse paraître, l'enquête ouverte par la brigade de gendarmerie centre de Lambaréné n'a pas prospéré. J'avais hâte de savoir ce qui s'était passé ce jour-là. Rejoindre le terrain du crime par voie terrestre m'offrait une vue privilégiée de la nature en osmose avec le sentiment d'aller à la recherche de la vérité dans un village encore pétrifié par la singularité de la tragédie. Après la route goudronnée, j'empruntais une piste forestière qui se dégradait continuellement. Les roues de mon Nissan Patrol y patinaient. Le véhicule franchissait les flaques d'eau en hoquetant sous un ciel azuré. De temps à autre, des éclaboussures mouchetaient le pare-brise, m'obligeant à recourir aux essuie-glaces. Je conduisais avec circonspection pour ne pas faire une embardée. Depuis le retour de la saison pluvieuse, la route était particulièrement glissante. Je traversais des villages authentiques nichés à l'orée de la forêt équatoriale.
Après 2 heures de route, j'arrivais à Saint-Martin. C'est une petite bourgade perdue au milieu de nulle part. Tout de suite après mon arrivée, j'allais présenter mes civilités au chef de village. Il m'accueillit dans son salon modeste. Lorsque j'eus décliné l'objet de ma visite, le vieil homme détourna la tête et se mura dans un grand silence. Le sujet des crimes rituels était tabou dans la contrée. Personne n'osait en parler, car les cartels des dépeceurs d'êtres humains sont aussi puissants que ceux de la drogue. Ils peuvent éliminer tous ceux qui les gênent dans leur dessein funeste. J'ai pris congé de mon hôte sans avoir réussi à lui soutirer quelques brides d'informations au sujet de l'assassinat de Guy et de Paul. À l'extrémité du village, j'ai trouvé des jeunes assis devant une case à l'architecture traditionnelle. J'y marquai un arrêt pour les saluer. Je leur expliquai que j'enquêtais sur le double crime sacrificiel de deux cadets de Martin Mabala. Contrairement à mon premier interlocuteur, ils se montrèrent très bavards. C'est un crime commandité par ceux qu'ils avaient envoyés ici, accusa un jeune vêtu d'un t-shirt rouge. La maison de Martin Mabala était inhabitée. Il n'y a que lui-même et ses proches qui savaient que les enfants viendraient passer la nuit ici, renchérit un autre villageois, le regard fixé vers le néant. Et vous n'avez entendu aucun cri cette nuit-là? Demandai-je. Pas du tout. Les faits s'étaient passés tard, pendant que nous dormions profondément, répondit mon premier interlocuteur. Le fait que la maison de Madame Abella soit peu retirée des autres maisons du village n'est pas de nature à faciliter la perception des cris des victimes, relève son congénère. Pensez-vous que l'assassinat de Guy et Paul ait été commis par des gens qui habitent le village? Repris-je. Non, aucun villageois ne pouvait faire une telle chose. Les tueurs étaient incontestablement venus d'ailleurs. Ils avaient été actionnés par des gens qui ont envoyé les deux jeunes hommes ici, certainement, se persuada mon deuxième interlocuteur. Notre discussion apporta un nouvel éclairage à cette ténébreuse affaire. Je me suis arrêté là. Alors, je vois mon frère Fabrice d'Ipaga Mabala, qui est d'ailleurs connecté, qui vient me lancer les menaces à deux balles comme tous les enfants des pédégistes, qui caracolent dans l'excès des ailes et faisant de la persécution leur agenda existentiel. On n'est même pas encore arrivé dans les détails. Donc, voyez comment les gens commencent à s'agiter. Pourquoi s'agitent-ils? Il y a eu mort d'homme. C'est normal que j'enquête là. Ce ne sont pas des fourmis qui sont mortes. Ce sont des humains. Et surtout que l'affaire a été portée devant les tribunaux. C'est normal qu'un journaliste d'investigation s'interroge. Ils osent me dire, mais qui t'a mandaté? Ah bon? Donc, vous pensez que les gens, même ton enfant, tu penses que ton enfant peut mourir et puis les gens ne doivent pas en parler? Et ça devient une affaire privée? Il paraît que l'autre est avocate en France. Donc, elle ne sait pas que ce délit-là, une fois porté, ce crime porté une fois devant les tribunaux, n'importe qui peut s'en saisir pour en parler. Il paraît qu'elle est avocate en France. Moi, je m'en tamponne le coquillard. Ça signifie que le niveau est bas. Il faut qu'elle reparte à l'école. C'est-à-dire qu'il vient m'insulter là. Maintenant, revenons aux faits. Revenons aux faits. Vos menaces à deux balles ne vont pas m'intimider. Je vous le dis déjà. Vos menaces à deux balles ne vont pas m'intimider. On n'influence pas un vagin avec un gros pénis. On n'influence pas le vagin avec un gros pénis. Allez chanter ça aux Gabonais qui sont au pays là-bas, que vous influencez avec vos titres de l'enfant de tel. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas l'enfant des ministres, mais je ne me fais pas influencer par l'enfant des ministres. Surtout que moi, j'ai suivi un parcours exemplaire. Je n'ai pas bénéficié de l'argent mal acquis. Je n'ai pas bénéficié de l'argent du sang.
Donc, je parle tête haute. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Je vais ouvrir le micro et que ceux qui ont des arguments viennent les opposer là. Parce que le livre sortira. Les commanditaires, les instigateurs là, les auteurs de crimes rituels. Donc, je veux venir. Je veux vous entendre. Je vais vous donner la parole. Hein. Ne vous en faites pas. Moi, je suis un démocrate. Je vais vous dire un truc. Dans cette enquête-là, lors de cette enquête, je voudrais rappeler aux enfants Mabala qui sont connectés là. Je sais que ça gêne quand on parle de ça. C'est normal que ça gêne, hein, vous savez. Manger du crapaud est certes appétissant, mais la réputation d'en avoir mangé est répugnante. Manger du crapaud est certes appétissant, mais la réputation d'en avoir mangé est répugnante. Donc, c'est bloqué ici comment? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Si vous ne me recevez pas, vous me dites, hein, parce que je vois quelqu'un qui dit que c'est bloqué ici. J'espère que vous me recevez. Est-ce que vous me recevez? Parce que je ne veux pas parler dans le vide. Hein. Vous savez, c'est des choses sérieuses. Hein, parce qu'on passe aux choses sérieuses. Alors, OK. Brent Mamoudou dit que c'est bon. D'accord, vous me recevez. Merci. On passe maintenant aux choses sérieuses là. C'est le livre là que les gens craignent là. Ils ont voulu m'assassiner à cause de ça. Mais il est trop tard, c'est peine perdue. Voilà, c'est peine perdue. Le livre va sortir. Ils ont bloqué les autres livres là. Mais ils ne savent pas que l'Armata a prévu une version PDF, une version en ligne. Donc vous pouvez l'obtenir en ligne. Donc même ça là, ça va être en ligne. Même si on bloque ça au Gabon, ça va être en ligne. Voilà, les gens doivent savoir. Donc, je voudrais revenir sur cette affaire-là. Parce que c'est celle qui a motivé mon live de ce matin. Je ne voulais pas parler ce matin parce que je me suis accordé un petit repos médical, mais comme les gens veulent que je parle. Alors, mon cher Fabrice Dipaga Mabiala, Fabrice Dipaga Mabiala, toi qui aimes jouer avec le titre, le nom de Mabala, je voudrais te dire, mon cher Fabrice Dipaga, que dans un Gabon libéré, il y a des noms qui seront lourds à porter. Il y a des noms qui seront lourds à porter parce que vous aurez posé des actes pas bien. Donc, je te conseille d'être très prudent parce que tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Alors, parlons, puisque tu veux qu'on parle de ta famille. On va parler. Voilà, les choses auraient pu se passer vraiment même en tapinois, quoi. Ça aurait pu se passer calmement, sans qu'on le sache, mais vous attirez l'attention. C'est la bêtise. Ça signifie que vous avez un déficit d'intelligence. Parce qu'on n'agit pas comme ça. Vous venez m'insulter. Vous pensez que je raconte des choses à la volée comme ça. L'image qui est là. Il faut me dire, les deux femmes qui sont là, elles sont où? Il faut me dire, les femmes qui sont là en arrière-plan, là, il faut me dire où elles sont passées. J'aimerais que tu me dises où elles sont passées. Où sont ces femmes-là? Parce que vous aimez qu'on ouvre la boîte de Pandore. On va l'ouvrir, hein, ne t'en fais pas. On va ouvrir la boîte de Pandore. Puisque vous aimez ça. Vous aimez qu'on ouvre la boîte de Pandore. Alors, mon cher Fabrice, je m'adresse à toi, la fille. J'ai pas retenu le prénom. Mais s'agissant de ta famille, tu dis que j'ai jeté toute une famille en pâture. Mais ta famille a voulu être au devant de la scène depuis. Tu me parles de quoi? Les femmes que je présente là, deux femmes là, elles sont mortes où? À Mabounié, non? En 2006. La dame Véronique Lecoin et sa fille. Je suis arrivé à Mabounié. C'était bel et bien un crime rituel. Six membres d'une famille tués. Il y a eu. Mon cher Fabrice Dipaga Mabala,
Il y a eu en 92 la mort de deux frères là, dont j'ai parlé, Guy et Paul là. C'était dans la maison de Mabala, ton père. Mais mon cher frère, même en journalisme, il y a des questions qu'on pose. Quoi? Qui? Où? Comment? Ça s'est passé dans la maison de Mabala. À partir de ce moment, son nom est obligé de sortir, de ressortir. Je vais te faire quelques cours parce que je crois que tu ne comprends pas ces choses-là. Ça ne va pas, ce cours ne va pas te paraître abscons, j'espère. Donc, ça s'est passé dans la maison de Mabala. Qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? C'est Mabala qui a envoyé. Peut-être que tu étais encore petit, tu étais là pour jouer, tu te léchais, tu te pour lécher les babines après avoir siphonné du lait. Mais je t'ai attrapé une chose. C'est Mabala, ton père qui avait envoyé les deux garçons, pour déposer ton homonyme, Dipanda. C'était ton homonyme, c'est ton homonyme, non? Qu'on appelle le douanier. C'était son oncle. L'oncle qu'il a gardé à Libreville, quand il faisait ses études. Alors, l'un des enfants là était inscrit au lycée Lamba. C'était vendredi. Il demande aux enfants de voyager vendredi alors que l'un d'eux avait cours. L'un d'eux avait cours. Et il dit, mais on peut attendre demain, c'est samedi, on n'a pas cours. Il dit, non, vous partez aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous partez. Mais quand on est tuteur, on a de l'ascendant sur les gens qu'on garde. Les enfants sont partis pour déposer ton homonyme, Dipanda. Dipanda habitait où? Dans la commune de Lambaréné. Quand ils arrivent, ils le déposent à Lambaréné. Et ton homonyme savait que les enfants reprendraient la route le lendemain matin très tôt. Mais il leur tient la maison, il leur tend la clé de la maison de Mabala, ton père, donc son neveu. Il dit, allez dormir en Zilé. Mais pourquoi il ne les a pas logés à Lambaréné, dans la ville? Pourquoi avoir donné les clés de la maison de campagne qui est loin en Zilé, au lieu de les loger à la maison? Je veux que tu viennes me répondre. Comme tu veux qu'on ouvre la boîte de Pandore. Pourquoi ton homonyme n'a pas logé les enfants là, sachant que c'était juste une nuit, et il repartait le lendemain? Et surtout que parmi les enfants, il y avait son enfant dedans. Pourquoi? Et pourquoi c'est lui qui tend les clés de la maison aux enfants, et non à ton oncle, à ton père Mabala, qui avait donné les clés de la voiture? Pourquoi n'avoir pas donné aussi les clés de la maison s'il tenait que les enfants dormaient là-bas? Et qui a su, les enfants sont arrivés, ils ont démarré de Lambaréné à 18h. Pour aller en Zélie, ils sont arrivés la nuit. Au village, on dort tôt. Comment les gens ont su que les deux enfants-là partaient passer juste la nuit là-bas, et ils vont dormir là-bas, et les gens ont débarqué à aller les tuer? Comment ils ont fait? Fabrice, même toi, tu as quand même fait l'école. Tu as quand même fait l'école. Je te pose des questions. Comment les gens... Moi, j'ai ma maison en campagne. Les gens arrivent la nuit, au moment où tout le monde dort. Les enfants dorment. Le lendemain, on les retrouve morts. Et il n'y a pas une trace d'infraction. On n'a pas cassé la porte, on n'a rien fait. Mais ils ont été tués là-dedans, dans la maison. Donc, c'est quelqu'un qui avait le double des clés, Fabrice. Donc, c'est forcément quelqu'un qui avait les clés.
Quand on fait des enquêtes criminelles, quand on arrive sur la scène du crime, c'est comme ça qu'on appelle ça, la scène du crime. Si c'est dans une maison, mais on regarde s'il y a des traces d'effraction. Je te parle, je parle, prendre mon exemple. Ma maison, par exemple, je vis dans ma maison, je n'ai donné de clé à personne. Je n'ai donné le double de clé à personne. Même ma compagne n'a pas le double de mes clés parce que tu connais bien ma situation. Parce que si demain on me retrouve mort dans ma maison, par exemple, je touche du bois. Le suspect numéro un, c'est la personne qui a le double clé. Si la personne a été tuée, la police va aller. Et je vais même expliquer ça une fois. J'ai dit, mais tu n'as pas, je ne peux pas te donner le double de mes clés. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais je ne veux pas te mettre dans des problèmes vu le combat que moi je mène. Oh, pour le cas de ton parent, comment comprendre que les enfants qui sont arrivés la nuit en ziné, les villageois dormaient? C'est le matin, quand ils se réveillent, ils voient la voiture garée à la cour. Toute la journée, les enfants ne se réveillent pas. Et c'est dimanche, plus tard, qu'on vient casser la porte pour que les enfants sont morts. Mais comment on a fait pour les tuer? Eux, ils avaient fermé la clé à la maison. Le corps d'un était au salon, l'autre dans la chambre. Comment ça s'est passé? Je veux que tu m'expliques. Toi qui connais, peut-être que mes informations sont erronées, mais tu ne me feras pas douter de moi. Comment ça s'est passé? Parce que moi, j'ai mené cette enquête-là. Les jeunes qui parlent là, ils étaient excédés. Ils disent qu'il n'y a que les gens qui les ont envoyés. Mais ça saute à l'œil nu. Même la gendarmerie, les suspects numéro un, ce sont les gens qui connaissaient que les enfants partaient dans cette maison. Ils n'habitaient pas là pour dire qu'on connaît qu'ils habitent là. Ils sont venus passer juste une nuit. Mais je pose la question. Je pose la question suivante. Un, pourquoi ton homonyme n'a pas logé ces enfants-là à la maison, à l'embaréné, que de les envoyer à la campagne, loin là-bas, la nuit tombée. L'autre question, pourquoi Martin Mabala, qui a donné les clés de la maison, les clés de la voiture aux enfants, pourquoi il n'a pas donné aussi les clés s'il voulait que les enfants aillent dormir là-bas? Pourquoi c'est arrivé devant que l'oncle qui nous tend les clés, qui leur tend les clés? Pourquoi Mabala, qui envoie des enfants, s'il sait qu'il n'y a pas assez de place pour dormir chez son oncle, il paga. Pourquoi Mabala n'a pas remis l'argent pour donner aux enfants, n'a pas remis l'argent aux enfants pour qu'ils prennent deux chambres dans un motel, même une chambre. Tout ça ne coûte pas cher là. On connaît les motels de Titis ou Titis, je ne sais pas. Ça coûtait moins cher. Pourquoi il n'a pas donné l'argent? Et qui assure que les enfants iraient dormir là-bas? Je vous dis un truc, ne blaguez pas. Ça va se retourner contre vous ce que vous êtes en train de faire. C'est contre-productif. Vous ne me faites pas peur. Vous allez faire un geste d'investigation. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Évitez de tourner au ridicule. Parce que cette affaire-là, c'est louche. Les suspects numéro un, quand c'est comme ça, ce sont les gens qui les ont envoyés. D'accord? Pensez tout ce que vous voulez. Si vous avez des couilles, portez plainte. Vous allez être ridicule. La France, ce n'est pas votre Gabon où vous mettez, où la justice est aux ordres du PDG. Vous me parlez de quoi? Mabala n'a pas bonne réputation. Les deux dames qui sont là, c'était sa belle famille, non? La Véronique Lecouin. Et les enfants qui sont morts là. Je suis allé faire l'enquête là-bas. J'étais journaliste à l'Union. Mabala m'a reçu. Mais ce qu'il m'a dit, je garde ça pour moi. J'attends votre fameux procès là. J'attends votre. Soyez courageux, soyez chaud. Soyez chaud. Je vous dis tout simplement, moi, ce n'est pas des histoires que je ramasse dans la rue. Je suis allé moi-même enquêter là-bas. Ce n'est pas on a dit. Je te parle d'histoire, voilà. Voilà l'article. Massacre à la machette près de l'Embaréné. C'est le titre, c'est dans l'Union. Et vous allez voir, c'est signé Jonas Moulenda, envoyé spécial. Je suis allé là-bas avec les gendarmes, j'avais le gilet pare-balles, tout ça. Je suis allé enquêter. Mais mon cher Fabrice Mabala et tes soeurs qui ouvrent leur bouche là pour parler de n'importe quoi là.
pour tenter de me dénigrer. Il faut fouiller les archives de l'Union. Moi, je ne parle pas la bouche comme ça. Non. C'est des sujets que je maîtrise. Mais cette histoire-là, il y a la belle-sœur de Mabala qui avait été citée par les meurtriers là. Celui qui a tué, qui est allé massacrer. Puisque vous voulez qu'on en parle, on va ouvrir, vous voulez ouvrir la boîte de Pandore, non? Vous pensez que moi, on m'influence avec vos trucs à deux balles là. Il faut venir, hein? Je vais ouvrir la parole tout à l'heure. Voilà Massandé. Massandé, c'est le gars là. Celui qui a tué. Il a prélevé les organes sur les cadavres. Après, il a brûlé pour faire disparaître les signes de mutilation. On connaît cette technique. C'est ce qu'il a fait. Mais ils ont cité la belle-mère de la belle-sœur de Mabala, ta tante, qui est même décédée. Mabala s'est trouvé en mission en Angola quand les faits se sont produits. Il a écouté son voyage, il est venu. Il m'a reçu parce que j'allais l'interroger. Et je lui ai dit, j'ai dit Martin, je l'appelle comme ça. J'ai dit Martin, cette affaire-là te retombe entre les pieds. Parce que c'est sa belle famille. Et chose bizarre, Martin Mabala était ministre des Eaux et Forêts, je crois, pendant les faits. Après, il est nommé ministre de la Justice. Quand il est nommé ministre de la Justice, pourquoi n'a-t-il pas œuvré pour faire progresser le dossier, pour qu'on sache qui a massacré toute sa belle famille? Six membres, même un bébé. Un bébé de combien? De 3 mois, je crois. Pourquoi ministre de la Justice? Il n'a pas œuvré pour faire éclater la vérité, puisqu'on l'accusait que c'était lui. Mais moi, je suis ministre de la Justice, je mets en branle toutes les unités pour que la vérité éclate. On a attrapé ces gars-là. Et comme par hasard, tout le monde est mort en prison, l'un après l'autre. Tu me parles de quoi? Vous me parlez de quoi, vous? Vous n'avez pas honte de venir soulever des débats comme ça? Je suis arrivé à Mabounié, moi. Il y a eu non seulement cette affaire-là. Tu penses que je ne connais pas la famille? Cette affaire de Mabounié, là. Mais ça a ouvert aussi une boîte de Pandore. Mais il y a eu aussi. Mon cher Fabrice, j'enquêtais sur ta famille. Il y a eu des choses terribles. Mais dis-moi, Émile Dolé, ça te dit quelque chose? Le nom Émile Dolé, ça te dit quelque chose? Émile Dolé, où? Dis-moi, où est passé Émile Dolé? Je veux que tu me dises, puisque tu viens dire sur Facebook que Moulenda raconte n'importe quoi, que Moulenda c'est un menteur, que je vais attirer je ne sais quoi là. Moi je cherche quoi? Quelle renommée? Moi j'ai été déjà un journaliste de renommée au Gabon. Je cherche encore quelle renommée au Gabon. Émile Dolé, le frère de Françoise Mabala. La femme de ton père, je ne sais pas si c'est ta mère aussi. Émile Dolé, c'était le frère. Enfin, Béni, c'est le nom de jumeaux, plus un jumeau. C'était le frère de Françoise Mabala. Déjà au départ, lorsque Françoise rencontre ton père Mabala, Béni n'était pas d'accord. Donc, Émile Dolé, là. Il n'était pas d'accord. Il a dit une phrase. C'était un jumeau. Comme s'il était visionnaire. Il a dit, je ne veux pas. Il se battait même contre Mabala. C'était la bagarre. Ils étaient enfants au lycée. Il dit, ce type-là va nous amener des problèmes dans la famille. Il a dit ça. Peut-être tu ne connais pas parce qu'il y a des choses qu'on te cache. Il faut que je te le dise. Il a dit, ce type-là va nous amener des problèmes dans la famille.
Il a dit, ce type-là, je ne veux pas qu'il reste avec ma soeur Ivan. Et ma balalo a mené une guerre. Et comme, évidemment, c'était un caïd, Mabala a convaincu sa soeur que, comme il nous amène des problèmes, il est caïd, il aime les bagarres, il se bagarre, il faut l'éliminer. On a sectionné les veines des tendons. Et du coup, il était devenu faible. Et un jour, il est sorti vendre du poisson à l'ambaréné. Il est sorti vendre du poisson à l'ambaréné. Il n'est plus reparti. On a retrouvé son corps découpé dans un sac qui flottait près du débarcadère d'Isaac. Il était découpé en mini morceaux. Là encore, pourquoi Martin, qui était dans les sphères décisionnelles de l'État, pourquoi Martin Mabala n'a pas fait tout pour que la vérité éclate? Moi, si j'ai un poste de ministre, je suis ministre de la Justice de surcroît, mais je dois tout faire pour que la vérité éclate, pour éviter qu'on ne me soupçonne. Voilà ce que je reproche déjà à ton père, c'est ça. Et je le lui ai dit. Pourquoi? Il n'y a pas eu que ce drame-là. Le petit Joël Nanga, ça te dit quelque chose? Le petit Joël Nanga, qui a disparu, non, on n'a jamais retrouvé le corps. On a parlé de noyade, on n'a jamais retrouvé le corps. Je suis dans votre famille. C'est dans votre famille. Attention, j'ai des témoignages sonores là. Tu veux que je les diffuse là maintenant? Moi, je ne viens pas écrire des choses parce que je dois faire machin. Je n'ai rien contre Martin Mabala. Quand je l'appelle, c'est tu. C'est un grand frère. Je suis un petit frère. Mais il y a des choses que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas tolérer. Donc, pourquoi Martin n'a pas œuvré? Parce qu'on l'a tellement accusé à l'embaréné. Son nom a beaucoup pâti des accusations de crimes rituels. Son nom a été cité dans plusieurs dossiers. C'est moi, Moulinda, qui ai demandé aux gens de citer son nom. Moi, je n'ai même pas cité comme commanditaire. Jusque-là, dans ce que j'écris là, mais il a été cité plusieurs fois dans ces affaires-là. Et je lui disais toujours, grand frère, ça va se retomber un jour sur toi. Il faut que la vérité éclate. Un jour même, je me rappelle, il y a eu un séminaire au niveau près de la résidence d'Ali Bongo à la Sablière. Je crois qu'il était ministre des Eaux et Forêts. Et je lui ai encore dit la même chose. À la fin du séminaire, j'ai dit, grand frère, ce qui se passe là-bas à l'embarras, il faut mettre la vérité. Et je veux même te dire une chose. Il faut donner à tes soeurs. Le président Bongo vivait encore. Le président Omar Bongo vivait. Je suis allé en reportage à l'Ambaréné, à mission d'enquête. Il y a un jeune homme qui s'appelait Ndimina. Il était âgé, je crois, de 26 ans. C'était un muet, un sourd-muet. Il a été enlevé nuitamment pendant qu'il pleuvait dans sa chambre. On est allé le décapiter, les gens sont allés le tuer. Il y avait un marécage derrière. Ils ont coupé la tête. Ils ont amené la tête avec eux. Ils ont laissé le corps. Et on a découvert ce corps-là. Je suis allé faire des enquêtes avec des officiers de police judiciaire. Et 2 jours plus tard, on a vu un chien vers l'hôpital canadien avec une main. Un chien qui avait une main humaine à la bouche, une main d'un homme à la bouche, à la gueule.
La main avait été coupée. Entre-temps, le corps de... Le corps de... Comment il s'appelle? Le corps de... Du jeune homme en question, là, d'Ndimina, n'avait pas de main coupée. Alors, on s'est retrouvé, donc avec une main, on ne savait pas à qui appartenait cette main-là. C'était une main comme ça. Je ne sais pas si l'image va. Voilà. On retrouve une main coupée comme ça. Vous voyez? Une main coupée comme ça. On retrouve la main coupée. Et le chien en train de traîner ça à la gueule. On arrache ça au chien. On amène à l'hôpital Schweizer pour faire des examens. On se rend compte que c'est une main humaine. Quand on regarde le corps du jeune Dimina, il y avait la tête qui manquait. Et moi, j'ai titré. J'ai titré ce jour-là. Vincent Mavungu-Buyou était directeur de l'Union. Demandez-lui. Pour la mort de Ndimina, j'ai titré à la une de l'Union. Le corps sans tête. Le lendemain, j'ai envoyé le deuxième article à Léonard Brice Mbassoumou, rédacteur en chef de l'Union. Il vit encore. J'ai envoyé, le titre c'était La main sans corps. Et c'était un jeudi, le président Bongo s'est fâché en plein conseil des ministres. Il est venu, il avait deux numéros de l'Union, le président Omar Bongo. Il avait deux numéros de l'Union. Demandez à qui que ce soit, qui était ministre à l'époque. Le président Bongo s'est fâché. Il y avait Maté Mabala, ministre, il était au gouvernement, au compte de Lambaréné. Il y avait Richard Auguste Onouvier, qui était ministre, au compte de Lambaréné. Et il a. Le président Mongo est venu avec deux numéros de l'Union. Il a dit, voilà tout ce que vous savez faire chez vous. Allez-y me régler ça. Il a balancé le numéro de l'Union à Mabala. Il a balancé le numéro de l'Union à Onouvier. Après, les crimes rituels se sont arrêtés. J'aimerais que tu m'expliques ça, mon cher frère Fabrice. Il faut que tu m'expliques ça. Dès que le président Bongo a tonné, quand il a, parce que c'était déshonorant pour lui de voir la une de l'Union comme ça, il a dit, allez me régler ça. Le président Bongo ne m'a pas appelé pour dire qu'il va me couper la tête. Non. Mais moi, je présente ce que je vois. S'il n'y avait pas de crime, moi, je ne parlerais pas de ça. Donc, tu viens me parler de quoi, toi? Quand vous venez m'insulter là, vous pensez que je parle dans le vide? Mais mon cher frère, tu gagnerais à lever les équivoques là dans ta famille, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas Moulinda, hein? Ce n'est pas moi qui ai créé toutes les situations là qui ont fait que ta famille, ils sont en pâtisse. Non, moi je sors un livre et je ne peux pas ne pas parler de tout ce qui s'est passé à Lambaréné. Je parle de tout ce qui s'est passé dans le Gabon. Et j'ai beaucoup de preuves sur moi là. Allez-y, portez plainte, je vous encourage. Quand vous pensez que la France est le Gabon, Paris n'est pas petit Paris. Il y a eu des choses terribles. Mais toi, tu es un jeune. Vous êtes des jeunes. Vous devez œuvrer pour que ces phénomènes-là prennent fin. Donc, vous trouvez normal qu'on tue les gens, on dépece les gens. Est-ce que vous mettez un seul instant à la place de ces familles-là? Aujourd'hui, pour progresser au Gabon, il faut tuer. Vous trouvez ça normal? Pour vous, c'est une normalité? C'est un vous êtes habitué à côtoyer la bestialité? Mais non. Pour moi, la bestialité ne deviendra pas une normalité. Et je combattrai avec la jusqu'à mon dernier souffle ce phénomène-là. Tous ceux qui tuent doivent aller en prison. Il n'y a pas de raison que les gens qui font des crimes rituels se retrouvent en liberté. Regardez cette image-là. Ça se passe aussi à Lambaréné. Ce réseau-là. Le gars-là, le gars-ci, le métis-là.
Modino, qui était dans le réseau de l'embaréné. Il est en prison, on l'envoie en prison. Et comme par hasard, depuis la prison, c'est pas comme il a par quelle alchimie, il est admis à l'école, à l'EPCA. Je ne comprends pas comment il a fait, par quelle alchimie, un criminel, quelqu'un qui tuait, parce qu'il a pâté les copines. Comme ces métis, comme les Gabonaises aussi aiment les métis, il prenait des filles. Et il est livré à ces réseaux-là. Voilà tout le réseau au grand complet. Mais ces garçons se retrouvent dehors aujourd'hui. Il est allé à l'école, à l'EPCA, c'est tellement qu'il travaille déjà, puisqu'il est tué pour le régime. Il est tué à Montagne, Tchad. Je suis arrivé là-bas, moi-même enquêté. Je ne parle pas pour parler. Je suis arrivé enquêté là-bas, à Montagne, Tchad, là où il tuait les gens. Le voilà ici. Il était menotté là. Il est menotté pendant l'enquête. Oui. Il est menotté là. Pendant l'enquête, il nous a amenés là où il enterrait les cadavres. Il nous a amenés là où il enterrait les victimes. Il tuait les gens. Il appâtait. Et puis après, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il tue, il prend les organes. Après, il repart pour aller déterrer les os qu'il vendait ensuite. Les ossements là qu'il vendait ensuite. Comment on appelle ça? Qu'il vendait ensuite au réseau. Voilà ici cette image-là. Je vous présente cette image. Ça, c'est à Montagne Tchad, dans la forêt à Montagne Tchad. Ça, c'est un tombeau. Ils avaient déjà enterré quelqu'un là. Ils enterraient et après, ils venaient récupérer les ossements. Comment ce gars-là se trouve en liberté aujourd'hui? Il est en prison, en détention préventive. Il gagne le concours de PCA. Par quelle alchimie? Parce qu'il travaillait pour le pouvoir. Il faut m'expliquer. Ça, c'est le tombeau, là. Je suis allé là-bas enquêter. J'étais accompagné de mon adjoint. Wilfried Eyege, qui est un garfan. Il a même attrapé les crises au sortir. Parce qu'on a vu plein de tombeaux. On a recensé combien de tombeaux? Des centaines de tombeaux dans la forêt. On a recensé, on avait été obligé de prendre un chasseur qui était armé parce qu'on pouvait nous attaquer là-bas. En dehors de mon pistolet. Mais on avait un chasseur. Quand on est arrivé, le pauvre est tombé. J'ai dû le ranimer pour dire, tiens, tiens bon. Pour dire, tiens bon. Il a dit, mais monsieur Moulenda, comment vous faites pour tenir face à tout ça? Comment vous faites? J'ai dit, je me suis habitué à voir ça. Et quand nous sommes tout au long du chemin, il pleurait presque. Voir comment les tombeaux, il y a une pierre. Il y a une pierre dans cette forêt de montagne Tchad. Il y a une pierre où on faisait asseoir les gens. Pour faire des rituels, avant de les tuer, on leur demandait de réciter leur dernière volonté. Donc, on leur demandait de réciter leur dernière volonté. Il fallait qu'ils parlent. Et comme ça, voilà. Voilà l'article que j'ai fait. Ce gars-là, c'est un Camerounais. C'était lui, l'Onganga, qui était là pour faire le rituel. Ce monsieur-là. C'est un Camerounais. Voilà les articles qui sont là. Moi, je parle avec des preuves. C'est bien écrit. Jonas Mwenda, envoyé spécial. Vous me parlez de quoi? Des choses comme ça, il y en a des tonnes dans mes archives. On a beau envoyer des gens pour casser chez moi parce qu'on estime que on doit faire disparaître les preuves. Mais ils ne savent pas que j'ai multiplié beaucoup comme ça. Donc, vous qui venez, vous pensez que je parle des choses pour parler? Non, je ne parle pas pour parler. Moi, j'ai découvert des choses terribles. J'ai découvert des cadavres fumés. Des cadavres fumés. Voilà un cadavre fumé. On fume les cadavres. Donc, vous trouvez ça normal? Parce que vous êtes enfant de terre, vous venez parler. Moi, je ne suis pas complexé.
Je suis fils de paysan, je l'assume. Au moins, je mange le pain des paix. Le cadavre fumé, il faut m'expliquer ça. Vous me parlez de quoi? Le cadavre fumé, c'est ça, vous, le PDG? C'est ça que vous voulez, vous savez faire au PDG, non? Le monde entier doit savoir ce qui se passe au Gabon. Le livre là sera traduit dans toutes les langues. J'irai moi-même au Commonwealth déposer ça. Ça veut dire quoi ça? Vous pensez que moi je raconte des choses dans les machins? Je pose la question, je vous donne la parole, vous les enfants de Babala, venez parler tout à l'heure. Parce que j'ai de bonnes petites questions à vous poser après. Moi, je donne la parole à tout le monde. Hein. Même Babala, s'il arrivait à parler aujourd'hui, je dis, bon, maintenant, je donne la parole. Donc, vous me parlez de quoi? Vous parlez que je suis contre Babala parce que quoi? Moi, je ne cherche pas à être ministre d'Ali Bongo. Ça, il faut enlever ça dans vos têtes. Hein. Je veux seulement qu'au Gabon, tout le monde vive, tout le monde a le droit de vivre. On ne peut pas faire ce qui se passe là. On tue les gens tranquillement et les familles sont là en train de pleurer leurs enfants. Regardez les images là. Mayombo qui avait été tué à Mouila, par exemple. Là, je quitte un peu parce que la province à côté, c'est Mouila. Mayombo qui a été tué à Mouila. En novembre 2011, j'étais même en France en stage pendant cette période-là. Quand je suis rentré, je suis allé enquêter. Donc, vous parlez de quoi? Pourquoi? Et là, je voudrais, et aux autres Gabonais qui sont là, je voudrais. Moi, j'écris souvent, j'aimais souvent le titre avant. Même quand j'étais à l'Union ou à Faits divers à Côte d'Ivoire, souvent j'ai souvent mis mon titre avant. Parce que je consomme mes textes dans la tête. Donc, je vous donnerai l'occasion de parler tout à l'heure. Mais au Gabon, on boit du sang. Ali Bongo et ses amis boivent du sang. C'est pourquoi j'ai titré le livre là, Les buveurs de sang. Ils boivent du sang. Vous allez m'expliquer ça là. Je vais vous montrer quelque chose. Expliquez un peu moi ça. Ils boivent du sang. Ali Bongo et ses amis boivent du sang. Ce sont des criminels. Je vais vous montrer ça. Ce sont des criminels. Voilà un bidon. Voilà un bidon, c'est le sang qu'on a retrouvé chez les tueurs. C'est ce qu'Ali Bongo et ses amis prennent. Peut-être même c'est ça là qui va faire la une même de mon livre là, Les buveurs de sang. Je vois un bon infographe pour mettre des machins là. On prend ce sang là pour faire quoi? Non, vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? Il n'y a pas un sujet que je connais mieux au Gabon que les crimes rituels. Je voudrais vous dire une chose. Tout ce que vous voyez là, c'est moi qui étais, vous verrez, ceux qui étaient honnêtes, m'étaient en bas sous Jonas Moulenda. J'étais le seul qui faisait le tour du Gabon, aller dans des forêts au risque de ma vie. J'étais le seul avec mes collaborateurs. Même tous ceux qui parlent au machin, ils prenaient mes éléments. J'étais le seul qui partait sur le terrain. Parfois, c'est moi qui décantais la situation. Là où les OPJ étaient bloqués, parfois, vous allez le voir dans le livre. Et les gars sont honnêtes, ils sont encore en vie aujourd'hui. Donc, vous me parlez de quoi? Vous pensez que moi je viens parler des choses en l'air? Il y a eu des crimes, il y a eu des gens qui sont morts. C'est normal qu'on en parle. Donc vous gagnerez gros à fermer vos bouches que de venir insulter les gens. Il y a eu des gens qui sont morts. Oui, les gens sont morts, on est obligé d'en parler. Non, on est obligé d'en parler, je suis désolé.
Donc, chers compatriotes, je reste engagé à vos côtés. Malgré les problèmes, les empoisonnements, les tentatives d'assassinat, je suis là et je ne mourrai pas. On a des criminels qui nous gouvernent et c'est la raison pour laquelle on doit tout faire pour chasser ces gens-là. Pour ne plus être nargué comme ça. Parce qu'on est nargué. Voilà des jeunes comme ça qui sont là, qui ont fait comme boulot tuer les gens. Donc vous parlez de quoi? Vous pensez que ce sont vos menaces à deux balles, là, vos petits fusils nocturnes, vos machins, vos empoisons, non? Vous avez utilisé jusqu'au poison russe. Je suis là debout. Ça ne vous étonne pas. Et vous voulez m'influencer avec vos conneries, vos machins. Donc alors, vous me collez la paix avec vos menaces à deux balles. Moi, je n'ai rien à foutre. Je ne dois rien à personne. Je me suis fait seul. Je me suis conçu seul. Et quand on se conçoit seul, on n'accepte pas que n'importe qui vienne vous déconstruire. Jamais. Je me suis conçu seul. Donc, je vais vous donner la parole. Hein. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cet échange-là. Je voudrais vous dire un truc aussi. Hier, j'ai été victime d'un accident de la circulation. Et ces clients sont en train de tout faire. Ils sont en train de tout faire parce qu'il ne faut pas que le livre sorte. Parce que ça va gâcher leur fête électorale. Il y a 2 jours, j'avais fait un rêve. J'ai dit aux membres de mon entourage, j'ai fait un rêve qu'un véhicule venait me cogner, un véhicule utilitaire de couleur blanche venait me cogner à un rond-point et que le véhicule était irrécupérable. J'ai fait ce rêve-là. Et hier, je vais à Paris parce que je devais rencontrer mon frère Félix Bongo qui est venu avec son père pour les soins médicaux. On avait rendez-vous. Et hier, quand j'arrive à la porte de la chapelle, voilà un véhicule. Je suis, vous voyez, à la porte de la chapelle, là où il y a les mendiants, là. Donc, j'ai vu une jeune dame qui mendiait, une dame africaine, et les blancs passaient par là. Et elle tendait la main. Il y avait rien. Moi, j'avais des pièces. Et comme le feu était rouge, je me suis arrêté pour prendre des pièces. Un véhicule utilitaire de couleur blanche est venu m'a percuté par l'arrière. Et comme il pleuvait, il y avait le soleil qui rendait la chaussée éblouissante, j'avais baissé un peu ce dispositif qui permet de ne pas être ébloui là. Et quand il m'a cogné par l'arrière, la tête a cogné sur ce dispositif-là. Les lunettes se sont cassées. Vous voyez, j'ai plus mes lunettes là. Ça s'est passé hier. Le véhicule est amoché, c'est pas grave. Moi, mais je suis sorti, j'ai un peu mal au nez. Ça va. Mais je savais que c'était préparé. Parce qu'ils sont en train de travailler des jours et des nuits. Les Ismaël Osseini, tous les Béninois et le reste là. Parce que ça les gêne. Pour eux, il faut tuer Moulenda. Mais ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. C'est des blagueurs. Eux-mêmes, ils vont mourir l'un après l'autre. Donc, je suis là. J'avais parlé de cette affaire d'accident à mon entourage. Hein. Donc, je suis là. Ça ne me fait pas peur. Au contraire, je ne suis bon que là dans l'adversité. C'est là où je sors mes griffes. Je n'aime pas les terrains trop faciles. Je n'aime pas le terrain trop facile. Donc j'attends vos menaces à deux balles, vos histoires de plaintes et autres. J'attends. Comme ça, on va sortir tout ce que j'ai là. Et comme vous pensez que la France, c'est le Gabon. Vous n'êtes même pas intelligent. Au lieu de chercher même à m'appeler pour avoir un certain nombre de formations, parce que vous ignorez beaucoup de choses, vous venez vous m'insulter, vous pensez que c'est comme ça. Vous pensez que les Blancs ne savent pas ce qui se passe au Gabon là-bas. Pierre Payan, que Dieu ait son âme, il a eu un procès en France ici. Contre les Bongos qui ont tenté de passer parler de crimes rituels là, dans son livre, Une nouvelle affaire africaine. C'est moi, Jonas Moulinda, demandez à Désiré Nam, ou bien à Robert Bourgi. C'est moi qui suis allé avec les preuves.
pour dire voilà, c'est ça la réalité. Pierre Payet a eu le procès. Même l'école du Nord en a parlé. Donc vous pensez que le Gabon, c'est quoi? Vous pensez que quoi? Vous pensez que je parle de machin comme ça, là, je n'ai pas d'éléments. Vous êtes malade? Donc, continuez à raconter vos inepties. Moi, je n'ai pas peur de vos conneries, là, vos menaces à deux balles, là, de vos menaces à la con. Vous gagnerez gros à lever les voiles sur ce qui se passe. Quand on vous accuse, alors, il faut tout faire pour machin. Vous avez des positions qui vous permettent même de pouvoir lever le voile sur beaucoup de choses. Pourquoi menacer Moulinda? Pourquoi passer par les Richards, même ceux qui tentent de m'empoisonner là? Vous n'avez pas que depuis que vous avez commencé, je suis là. Vous n'avez pas honte. Vous allez voir. Le retour à l'envoyeur là. Beaucoup vont mourir. Hein. Il y a tous ceux qui disaient là. Ils sont déjà en combien? Je compte déjà combien? Six qui sont morts. Qui voulaient, qui programmaient ma mort là. Qui méditaient, qui faisaient dans la médisance. Qui me disaient. Six sont déjà partis. Et je compte là sur la liste. Donc continuez à jouer à ce jeu-là. Ceux qui les ont entendus à Carrefour, on va te faire ceci, on va me faire quoi? C'est des blagueurs. Vous pensez qu'on se lève au matin pour faire ce combat-là? Vous pensez qu'on se lève au matin comme ça là pour faire ce combat-là? C'est des malades, quoi. Donc, je donne la parole aux Gabonais qui veulent s'exprimer par rapport à ce sujet. Le numéro d'appel, c'est le numéro habituel au 00 33 7 52 52 36 52. Je reprends 0033 7 52 52 36 52. C'est le numéro du balcon que vous connaissez déjà. Vous avez un deuxième numéro pour appeler au 0033 7 45 74 77 70. Je vais vous entendre sur ce sujet-là. Je veux même que vous proposiez le titre. Je veux que vous vous retrouviez dans ce livre-là. C'est votre livre. Je l'écris pour vous. En mémoire de tous ceux qui ont perdu quelqu'un. Parce que les familles gabonaises, chaque famille gabonaise a perdu au moins un membre ou un ami, un proche. Donc, ce livre-là, c'est pour vous. Je le fais pour vous. Même quand je ne serai plus de ce monde, ça va être les traces, c'est l'histoire du Gabon qu'on écrit. Parce que le problème au Gabon, c'est qu'on n'écrit pas. On ne laisse pas de traces. C'est pourquoi j'ai entrepris d'écrire. Les gens qui pensaient que l'exil, c'est une punition pour moi, c'est un coup de caveçon, ils se trompent. On dit, si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Si tu pousses un chanceux dans la rivière, il en ressortira avec un poisson à la bouche. Donc, je vous donne le numéro d'appel. Par rapport à ces histoires-là, des crimes rituels ou autres, par rapport au titre. J'ai vu. Il y a quelqu'un qui est venu parler d'un sujet-là. Les jeunes qui étaient. Il y a aussi deux jeunes qui ont. Qui sont portés disparus. À la Pointe-Denis. J'ai enquêté là-dessus, le jeune homme est venu là. Il y a quelqu'un qui a parlé, dit, ça me rappelle une histoire qui s'est passée. Oui, j'ai enquêté là aussi dessus. C'était Maurice et Poupon. Henri et Poupon. J'ai enquêté là-dessus. C'est vous dire que tous ces sujets-là, aucun sujet ne m'échappe. Tant que j'étais au Gabon, là, j'ai enquêté sur tout ça. Maurice et Poupon, là. On n'a jamais retrouvé leur corps. Voilà. Et ils avaient été tués, on a enterré dans la chair. Je vais vous montrer leur photo. Ces gars-là, on n'a jamais retrouvé. Voilà la première photo. Voilà cet homme, ce jeune homme-là. Vous voyez cette image? Ils étaient partis. C'est la famille Oliveira qui avait fait appel à ces deux jeunes pour aller débrousser un terrain sur une île qu'on appelle Nenguawora. Amiens, Nenguawora. Ça veut dire île du malheur. C'est une île inhabitée. Là encore, si on était dans un pays sérieux, si on était dans un pays sérieux, s'il vous plaît, si on était dans un pays sérieux, ce sont les gens qui ont envoyé ces deux jeunes-là qui étaient les suspects numéro un. Maurice, Henri et Poupon, là.
Ils sont partis, ils ne sont plus jamais revenus. On a retrouvé seulement leurs effets. Depuis 2011, on les avait contactés, ils faisaient les bricoles. On les avait contactés pour dire, non, vous allez aller débrousser. Ils ont amené leurs vêtements, la nourriture. On a retrouvé juste quelques sacs, leurs sacs et la nourriture, c'est tout. Voilà. Donc, ces gars-là, voilà son compagnon aussi. Attendez, je vais vous montrer l'image de son compagnon. Il n'était pas seul, ils étaient à deux. Alors, ils vont là-bas, une île qui est inhabitée, où il n'y a personne. Comment les gens ont-ils su que il y a quelqu'un, il y a des gens qui sont arrivés sur cette île-là? Voilà son compagnon. Et je souhaite que les parents m'appellent, hein, les parents de ces enfants-là, s'ils sont connectés là. Si vous connaissez là, dites-leur que je vais entrer en contact parce qu'il y a des lignes de vos branches, il y a des choses qu'on doit faire. Parce qu'après ça, on doit poser une plainte à l'international. Dès que le livre sort, on dépose une plainte à l'international. Les gens, là, il faut les attaquer avec des choses comme ça. Donc, j'ai besoin que tous ceux qui ont eu des problèmes avec les marchés de crimes rituels dans leur famille, là, qu'ils me contactent. Je prends sur moi la tâche herculéenne d'amener cette cause-là plus loin. Donc, voilà. Moi, je ne parle pas pour parler. Moi, j'étais sur le terrain. Hein. C'est pas. Donc, vous avez le numéro de téléphone. Hein. Je veux vous entendre sur ça. Au 0033 7 52 52 36 52. 0033 7 52 52 36 52. Par rapport au crime rituel, même sur d'autres sujets, on peut aussi dévier, puisqu'on n'a pas eu l'occasion là. Voilà. Donc, si vous avez des titres à proposer, proposez-moi aussi vos titres. Même depuis là, vous pouvez appeler ou vous écrivez là. Proposez vos titres, je veux retenir celui qui va retenir l'attention aussi des gens. Donc, moi, j'ai déjà proposé le buveur de sang. Il y a un autre titre, le prédateur d'organes humains. Mais je veux un titre qui captive. Parce qu'après, il faut faire un livre. Il faut faire plutôt une bande dessinée sur ça. Il faut faire un film sur ça. Voilà. Donc, vous avez le numéro d'appel. Voilà, je prends le premier coup de fil. Allô? Allô, bonjour Monsieur Molenda, comment Bonjour, allez-vous? bonjour, je vais bien, merci. Et vous? Vous m'entendez bien? Oui, Enfin, vous me recevez plus ou moins bien? je vous en sens très bien, oui. Bonjour, vous allez bien? Ça va, ça peut aller avec la grâce de Dieu. Donc, je suis votre live, enfin, dès que j'ai reçu l'alerte sur YouTube. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces sujets? Moi, ce que je voulais juste rappeler, c'est que, enfin, c'est vraiment triste d'avoir et de se retrouver dans ce genre de situation, surtout avec ces personnes. En fait, il y a trois aspects. Il y a trois aspects que je voudrais aborder. Je ne sais pas si le temps me le permet, mais il y a trois aspects que je voudrais vraiment aborder. Le premier aspect tient sur le fait que, aujourd'hui, nous sommes en 2023. OK. Donc, toutes ces histoires de crimes rituels, comment dire, de crimes de sang, etc. Tout ça me semble d'être d'une époque révolue. Il y a de cela de très nombreuses années. Enfin, c'est dommage, quoi. Pendant que les autres évoluent, ils créent, ils fabriquent des choses, nous, on est toujours. Et c'est ce qui est dommage, parce que depuis que Ali Bongo est au pouvoir, c'est devenu, en fait, la routine, si vous voulez. Il n'y a pas un mois, une année qui ne se passe dans ce Gabon sans que ces sujets ne soient abordés. Moi, je ne sais même pas comment est-ce qu'il fait pour ne pas avoir honte devant ses autres homologues lorsqu'il les reçoit à Libreville. Et sachant tous que la presse, qu'on va, je sais même pas, enfin, que la presse écrite, qui est normale et qui sait de quoi est-ce qu'il s'agit, en parle, vu qu'elle est lue à l'extérieur aussi, qu'elle soit sur presse écrite ou, sur les réseaux sociaux, online, etc. Moi, je ne sais pas comment est-ce que ce monsieur fait pour ne pas avoir autant honte de subir tout ça, de un, et surtout ce qu'il fait à son peuple. De deux, ce que je voulais dire, c'est que je ne comprends pas comment est-ce que des gens qui ont quand même fait l'école, parce que les personnes dont vous parlez là, aujourd'hui, les ministres Mabala, Onouvia, etc., c'est des gens qui ont quand même fait l'école. C'est des gens qui ont été à la bonne école,
même s'il faut le dire, c'est vrai, à l'époque d'Omar Bongo, mais à l'époque d'Omar Bongo, quand même, je considère que ce pays avait plus de valeur en comparaison à ce que nous avons aujourd'hui. Le pays est tombé plus bas que terre, si vous voulez mon avis. Donc, moi, je ne comprends pas comment est-ce que des gens comme ça ont pu s'associer à ces voyous, à ces assassins, à ces meurtriers pour arriver à ce genre de choses. Parce que Martin Mabala, quand même, quand on discute, c'est quelqu'un qui a fait l'école, qui a, je sais pas, il est ingénieur, agronome, ou je sais pas trop ce qu'il a fait. Il a été directeur des eaux et forêts. Je pense pas qu'il ait été catapulté après la fin de ses études directement au PDG. Tout ça, c'est des choses qui se passent, enfin, qui se font en étapes. On est coopté quelque part, on fait ceci, cela, je sais pas, on agrée à certaines choses. Après, les histoires des sacrifices, ça, c'est chacun qui choisit. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui préfèrent prendre les escaliers, qui sont plus sûrs. Il y a d'autres qui préfèrent prendre les ascenseurs pour arriver plus vite au top niveau. Mais après, enfin, c'est la responsabilité de chacun. La troisième chose que je voudrais aborder, c'est sur ce fait dont vous parlez, où vous dites que ils continuent quand même à vous influencer avec toutes leurs histoires, avec toutes leurs conneries, parce que pour moi, ça, c'est des conneries. Il faut dire la vérité à un moment donné. Ça ne sert à rien. Même s'ils vous tuent demain après-demain, que Dieu me garde et je frappe du bois, enfin, disons que je compte du bois, comme on dit chez nous. Rien de tout cela, en fait, leur plan machiavélique ne va pas arriver à ses fins parce que vous avez déjà lancé l'idée, on sait à qui on a affaire, on sait ce qu'ils font, leurs manigances, tous les coups fourrés, etc. Mais quand même, faites attention, Monsieur Moulinda, parce que vous n'êtes pas à l'abri. Vous savez, l'oiseau oublie le piège. Mais le piège n'oublie jamais l'oiseau. Donc, même si aujourd'hui vous vous en prenez à un certain groupe de personnes qui font ces conneries, faites quand même attention à votre entourage, aux personnes qui vous accompagnent, aux personnes qui pensent que, ou qui essaient de enfin quoi, comment dire, qui essaient de rentrer sous votre peau et être à côté de vous, parce que vous savez comment on dit chez nous en Afrique, la mort ne vient jamais de loin. La mort ne vient jamais de l'homme. Donc, faites attention, prenez vos précautions et essayez de d'éviter au maximum les personnes qui vous balancent des paroles mielleuses. Parce que c'est ces mêmes premières personnes que vous avez dans votre cercle intime qui, demain après-demain, vont vous renier ou seront même prêtes à vous tuer, à vous verser du poison dans la, je sais pas moi, dans une tasse de thé, dans une tasse de café, etc. Et le poison, ça va très vite, hein. Ça va très, très vite. J'en ai déjà été Moi, dans victime. le pays dans lequel je vis, ça va très, très vite. C'est une affaire de quelques secondes. Vous vous levez, vous allez jusqu'aux toilettes, vous revenez, l'affaire est jouée. Vous buvez votre truc et après, dans 3, 4 jours, vous mourrez. C'est pas un poison à effet immédiat. C'est un poison qui s'active, qui actionne en l'espace de quelque temps. Donc faites très attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez. Il vaut mieux même préparer vous-même ce que vous mangez plutôt que d'aller dans les fast-foods parce que même là-bas, on ne sait pas qui est qui. Donc faites attention, prenez soin de vous et comme on dit, on continue le combat. Un jour, ça va payer. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde et qu'il vous donne la meilleure santé qui soit possible. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé et passez un excellent week-end. Je vous en prie, de même à vous. Au revoir. Au On revoir. continue sur le live. Merci beaucoup. Alors, vous avez ce premier intervenant qui appelait, je ne sais pas de quel pays, un pays loin, loin. J'ai vu l'indicatif là, il appelle de loin. Donc, vous avez les numéros d'appel, deux numéros d'appel. 0033, 7, uniquement par WhatsApp, hein, parce qu'en ligne, normalement, ça ne passe pas. Je préfère vous dire la vérité, parce que je suis hors du territoire français. Hein, quand on est hors du territoire français, quand on appelle en ligne normale, ça coûte cher. Donc, c'est le WhatsApp, c'est facile pour appeler. Donc, vous avez le 0033. 7 52 52 36 52. Je reprends
0033 7 52 52 36 52. Vous avez un deuxième numéro d'appel, c'est le 0033 7 5, 45 74 77 70. Je reprends 0033 7 50 7 0033 7 45 74 77 70 sont les numéros d'appel. Je vais me publier ça sur les commentaires. Donc 0033, parce que les gens souvent ils oublient vite, 0033 7 45 74 77 70. Donc ça c'est le premier numéro. Hein, vous avez ce premier numéro-là. Deuxième numéro d'appel qui est le numéro que vous connaissez déjà depuis longtemps, 0033 7 52 52 36 52, uniquement par WhatsApp. Donc, c'est un numéro facile à retenir. Donc, vous avez les deux numéros d'appel pour donner votre avis par rapport à ces problèmes-là. Du coup, partant toutes les pommes du pays. Voilà. Donc, par rapport aux crimes rituels qui sévissent, parce que là, on me parle de plusieurs personnes. Il y a même un garçon qui est peut-être disparu à Franceville, là. La famille m'a contacté ce matin, m'a envoyé la photo. Un garçon qui était parti pour une partie de baignade avec les autres, et puis il a disparu. On n'a jamais retrouvé le corps jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'il a été tué tranquillement, et puis on n'en parle pas. Parce qu'aujourd'hui, ils le tuent, ils enterrent les corps pour ne pas susciter. Donc, et c'est toujours sous verrou. Dans le Haut-Ogooué, il y a même eu un crime récemment sur un sujet congolais qui était enseignant là, qui a été tué. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire sur le corps. Et après, voilà, on n'en parle plus. Donc, vous avez les deux numéros d'appel pour faire des propositions par rapport au livre, par rapport au titre, pour faire une dénonciation, par rapport aux menaces aussi que les gens m'envoient, les messages, les menaces, vous avez des choses à dire. Et si aussi, vous avez des propositions à faire, hein, par rapport à la manière de s'y prendre. Donc, vous avez ces deux numéros, 0033 52 52 36 52. Je reprends 0033 7 52 52 36 52. Et vous avez le deuxième numéro, 0033 0033 7 45 74 77 70. Je reprends 0033 7 45 74 77 70 uniquement par WhatsApp pour intervenir à l'émission, puisque ça fait longtemps qu'on vous a donné la parole. On vous donne la parole. Si vous avez des sujets d'actualité aussi à vouloir aborder, vous avez donc cette occasion d'en parler. Voilà. Moi, je ne viendrai plus tous les jours faire les lives avec vous parce qu'il y a des choses aussi très importantes à faire. Mais lorsqu'on a l'occasion de pouvoir s'exprimer, on vous donne donc la parole. Bon, maintenant, si vous taisez, c'est que vous êtes contre les crimes, vous êtes content des crimes rituels et on passe à autre chose. Voilà. Mais sinon, c'est le sujet qui devait révolter. Le problème au Gabon, c'est que les Gabonais acceptent tout. C'est ce qui me choque un peu aujourd'hui. Ils acceptent tout. Pourquoi vous voyez, je ne viens même plus parler tous les jours ici, puisqu'on donne l'impression on donne l'impression que tout va bien. On accepte ça. C'est pourquoi les gens me tuent. On nous tue, on fait tout. J'ai vu l'indignation de Bandeko Anseeuf, j'ai vu l'indignation de Stéphane Zeng. Ils disaient, on nous tue les enfants, on n'agit pas. Vous l'avez vu au Sénégal. Vous l'avez vu au Sénégal. Donc, c'est un parent qui m'appelle, je ne veux pas répondre maintenant, parce que ça, c'est le problème de famille. Hein? Le problème de famille, on ne parle pas, on ne parle pas sans direct. Voilà. Donc, il y a la famille qui m'appelle. Voilà. Donc, voilà, j'attends vos coups de fil. Voilà. Voilà, il faut appeler. Vous faites des commentaires, tout le monde ne lit pas. Vous savez que les Gabonais sont trop paresseux. C'est un drôle de peuple, ce peuple-là. C'est ça qui me choque, en fait. On a atteint le fond, on fait tout. Les gens ne se réveillent pas. Ils acceptent ça. Tout le monde est content. Tant que ça n'arrive pas aux autres, tant que ce n'est pas encore arrivé aux autres. Vous voyez même l'affaire de la petite Dina. Tant que ce n'est pas arrivé aux gens, bon, ils font tout ce qu'ils veulent. On va prendre ce coup de fil. Allô, bonsoir, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonsoir, Jeunesse. Oui, vous êtes en direct, on vous écoute. Comment allez-vous?
Dieu veille, Allô? merci. Allô? Oui, Dieu veille, merci. Et vous là-bas? Bonsoir. Bon, bonjour. Oh, déjà. Baissez le volume de votre appareil récepteur. Ne cherchez pas à vous entendre là-bas. On vous écoute déjà bien ici. Baissez le volume là-bas chez vous. Ok, j'ai diminué le volume. Oui, baissez, ne cherchez pas à vous entendre là-bas. D'accord, je disais bonsoir et comment tu vas? Ça va, Dieu veille, merci. Et vous? D'accord. Bon, je tiens déjà à féliciter tout ce que tu fais. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Tu es vraiment un rebelle de conscience. En ce qui concerne tout ce que tu fais, vraiment, nous sommes derrière toi. Bon, Merci. moi, je vais intervenir pas au niveau un peu de, comment dirais-je, le titre. Parce que tu parlais du titre, là, on devait donner un point de vue dessus par rapport au crime rituel. Ouais, on t'écoute, oui. Bon, mon titre, c'est les crimes rituels au Gabon entretenus par le pouvoir PDG. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que je ne conçois pas que depuis que tu mènes ce combat noble, jamais le pouvoir en place ne s'est levé, jamais le pouvoir en place a tapé du poing sur la table, mais on constate que le pouvoir en place ne fait que cautionner un peu ses actions. Et c'est dommage. C'est dommage. Un petit pays comme le Gabon, ça ne devait pas normalement se faire. Ils ont toute la logistique, d'après ce qu'ils disent, ils ont toute la logistique, comment dirais-je, pour mettre en branle, allez, je dis même ce réseau. Mais s'ils le font pas, c'est parce que quelque part, ils savent de quoi il s'agit. Donc, moi, je donne mon point de vue, et puis, nous te soutenons. Je vais Merci. pas monopoliser la parole, la parole autant pour moi. Merci. Étant donné qu'il y a beaucoup de personnes, certainement, qui vont apporter certaines idées plus merveilleuses que la mienne, mais prends soin de toi, comme disait le frère qui a intervenu avant, prends vraiment soin de toi et que Dieu veille sur toi. Merci, Jonas. Merci, merci d'avoir appelé. Bonne journée et bon week-end surtout. Alors, on va. Il y a une dame qui a tenté de joindre tout à l'heure. On va essayer de rappeler. L'avantage avec le WhatsApp, c'est qu'on peut rappeler facilement. On va essayer de rappeler la dame qui a tenté de joindre. Allô, bonjour. Oui, on vous écoute, madame. Oui, en fait, bon, c'est par rapport un peu au sujet du jour. C'est vrai que je vous ai pris en cours. Oui. En fait, pour ce qui me concerne, je trouve que le problème du Gabon, juste parce qu'on est un peuple laxiste, on regarde tout, on accepte tout, et voilà comment ces mêmes personnes-là nous entubent, en fait. Parce que, comme on le dit en général, lorsque quelqu'un, un étranger, pas forcément un étranger, mais lorsque quelqu'un qui n'est pas dans ta maison, rentre dans ta maison, sème le bordel sans pourtant que tu tapes du poing sur la table, mais il aura pour habitude de revenir à chaque fois, foutre n'importe quoi. Et c'est ça le peuple gabonais. On est tellement moribond. Moi, je prends un exemple avec ceux du Sénégal, sinon même du Mali. Le Mali, avant, on disait que les Maliens, c'était comme des moutons, mais non. Aujourd'hui, ils ont prouvé que ce sont des hommes valables. Ils savent imposer le respect. Au Sénégal, quand quelque chose ne va pas, tout le monde va dans la rue. Et ça, Dieu merci qu'aujourd'hui, nous avons les médias, tout le monde peut maintenant s'informer. Mais ce qui tue le peuple gabonais, c'est quoi? Parce qu'on ne sait pas dire non quand il le faut. On ne sait pas tenir une parole du bout en bout. À un moment donné, lorsqu'on se laisse influencer, lorsqu'on reçoit des menaces venant de nos adversaires, mais tout de suite, on laisse tout tomber. Or, ce n'est pas ça. La conviction nous amène à pouvoir recevoir les bénédictions qui viennent de Dieu. Même nous qui allons à l'église, quand le Seigneur te dit, mais écoute, là-bas, écoute, tu vas être telle personne, mais il ne te dira pas ce que tu vas traverser en chemin. Mais il dit que tout va. Mais je serai avec toi. Ça veut dire que quel que soit l'obstacle, il sera toujours présent. Donc, c'est pour dire que notre liberté, la liberté du peuple ne peut arriver que si le peuple comment dire, si le peuple tient ses promesses jusqu'au bout. Quand on a dit qu'on va être libre, donc quel que soit ce qui peut arriver, en tout cas, on arriverait toujours à nos fins. Et là, c'est là où, effectivement, nous pouvons recevoir la liberté dont on clame tant.
Alors, les méchants, là, en fait, c'est une secte qui s'est imposée parce qu'aujourd'hui, c'est pas une affaire d'aujourd'hui, depuis quand le père était là, Omar Bongo, effectivement, il a fait comprendre à ces personnes, parce que même lorsque les jeunes étudiants entraient, donc quittaient, par exemple, des pays étrangers, France ou ailleurs, pour trouver du travail au Gabon, il fallait être dans ce petit cercle-là. Alors, ils ont imité ça et c'est devenu comme un mode de vie. Un mode de vie pour avoir un emploi bien stable, il faut nécessairement coopérer, il faut accepter tout ce qu'ils vont s'imposer. Mais le problème, c'est que même les autres, que ce soit ceux de France ou d'ailleurs, ceux qui sont dans des grandes sectes, mais eux, ils n'imposent pas le temps. Ou peut-être qu'ils le font, comme toujours est-il que pour avancer, il faut forcément un sacrifice. Mais pas nécessairement le temps. Mais chez nous, c'est maintenant imposé. Et c'est maintenant un mode de vie. Pour être un grand monsieur, il faut nécessairement donner le sang. Mais est-ce que c'est ça la vie? On ne peut pas avancer comme ça. La preuve en est que lorsque nous avons commencé, donc on a commencé, comment dire, la course ensemble, ils sont très loin. Donc ils ont déjà dépassé au moins même de 200 ans et nous sommes restés en arrière parce que nous on est restés dans ça. On a évolué en rien du tout. On a évolué en rien du tout. On ne fait que la situation gabonaise ne fait que se rétrograder. La preuve en est que là, le fils Ali, parce que ce que je sais, hein, selon ce que j'avais entendu à l'époque, ils avaient fait, comment dire, un dilemme avec les autres fils des enfants des présidents. Que on va gouverner après nos papas, nous devons nous gouverner. Alors, voilà, Niatimbe et autres, voilà, et tout. Voilà. Ils ont essayé de faire quelque chose. Je ne sais pas comment ça se passe au Togo, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Mais au Gabon, on n'a rien eu. À Lille, c'est les problèmes qui nous ont amenés. Non seulement les problèmes, mais vraiment la situation ne fait que s'empirer. Et comme Dieu avait dit que le Gabon serait le dernier pays auquel on va se moquer à l'international, et c'est ce qui est arrivé, c'est la preuve en est que voilà. Ils bavent de partout, même président boiteux, machin, tout ça, tout ça. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Mais puisque eux, pour se maintenir au pouvoir, il faut qu'ils le sacrifient. Moi, personnellement, ce que je dis, le mieux, c'est qu'on doit rendre le mal pour le mal. Quelqu'un fait. Si tu connais que c'est la famille de tel qui a fait, nous, ça fait une personne là-bas. Si on va comme ça, les gens vont arrêter de tuer les enfants des autres. Parce qu'ils le font sciemment. C'est votre point de Lorsque vue. le bateau a coulé, et pourtant, disons qu'il y avait un bateau qui était juste à côté, on leur a demandé de l'aide, mais ils ne sont pas venus secourir les naufragés. Et voilà, c'est le bateau de qui? Disons Christian Bongo, comment je ne sais pas trop, ou l'autre, comment il s'appelle encore, je ne sais pas. Alors, c'est pour dire qu'en fait, ces gens, ils font exprès de faire du mal aux autres. Mais lorsqu'on a eu l'occasion de pouvoir les attraper, mais il faut bien qu'on le fasse comme cela, au moins ça va arrêter le mal. Il faut arrêter, il faut imiter. Quelqu'un vient frapper quelqu'un dans votre maison, si vous lui rendez aussi le mal pour le mal, je pense que le mal va diminuer, qu'on ne le veuille pas. Hein? Qu'on ne le veuille pas, même si on parle de la parole de Dieu, le Seigneur dit, tu donnes la joue gauche, donne la joue droite, mais c'est du gros n'importe quoi. Si tu donnes la joue droite, ça veut dire que tu sais comment tu vas le frapper, lui, il aura très très mal. Bon, le Seigneur nous demande d'être intelligents. Si eux, ils passent par des armes pour pouvoir nous frapper, pour pouvoir nous influencer, mais nous, il faut qu'on passe par autre chose pour pouvoir aussi les avoir. Ils ont des avions, ils prennent tout le temps les avions. Pourquoi on ne peut pas aussi, je sais pas, les gens ne peuvent pas s'élever, avant ça, les mécaniciens sabotent leurs avions ou leurs hélicoptères. Comme cela, au moins, ben, on serait tous au même point d'égalité. Alors, Et quand ils tuent, ils s'en crassent, ils s'en foutent. Mais il faut que, quand on doit rendre aussi, il faut qu'on ait parti des états d'âme. Parce que là, au moins, ça va imposer le respect. Là, on va imposer le respect. Parce que quand on les laisse faire, ben, ils pensent que ben, c'est un mode de vie. Voilà pourquoi c'est tous ceux qui les entourent, puisqu'ils mangent là-dedans, pour protéger leur gagne-pain, ils sont obligés de les encourager de pouvoir continuer à pouvoir nous mater. Donc, sur ce, je dis, bon, pour.
Pour ce qui concerne, par exemple, le livre sur les crimes rituels, enfin, moi, selon moi, je dis, si on peut parler même de comment dire, le règne des médiocres, le règne des médiocres, si on peut ajouter encore le mot sans encore, parce que le règne des médiocres, parce que ce qui est vrai et certain, Non, il 2023, y a là, je ne déjà, sais pas. y a déjà un livre qui parle le règne mortifère d'Ali Bongo. Ça, c'est déjà bon. Ça, c'est notre livre. Mais sur les crimes rituels, il faut que dans le titre, déjà, on sente déjà que c'est sanguinaire, quoi, ce que les gens font là-bas. Il faut que ça. Donc, le règne, ça, c'est Ah le règne oui. mortifère d'Ali Bongo. Oui, on parle de ce qu'il a détruit, machin, tout ça. Oui, évidemment, ça aussi, c'est en boîte. Mais pour le sang, il faut qu'on sente qu'il y a tout de suite des sacrifices. Il faut qu'on sente que c'est des sacrifices humains. Parce que les Blancs, c'est ça qui Oui. doit attirer l'attention. Donc, le règne mortifère, oui, d'Ali Bongo, oui, ça, c'est déjà un livre. Ne vous en faites pas, madame. C'est déjà très loin. On est même à la 72e page. Ah, donc, je reviendrai pour le titre. Parce OK. que vraiment, c'est vraiment intéressant. Merci. Mais pour ce qui concerne ces gens-là, en tout cas, bon, pour ce qui concerne, par exemple, pour toi, ce qui te concerne à toi, ben, on en reparlera en inbox. OK. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas continuer à blaguer comme ça. On OK. doit rendre tout pour tout. Quelqu'un vient te faire. Si tu as la possibilité de rendre tout droit et très bien, comme ça, quelqu'un d'autre va se lever venir t'attaquer. Ils le font exprès parce qu'ils ne sont pas trop du répondant. Ils vont me prendre deux par deux. Deux par deux. Ça, parce que moi, personnellement, quelqu'un ne peut pas venir me déranger. Tu peux me déranger si tu passes par une autre voie et que je ne te vois pas. Si tu passes par la voie normale, que je te vois de mes yeux, tu ne peux pas venir m'attaquer là où je suis. Ce n'est pas possible. Sinon, on te rend ça très bien. OK. Merci à tout moment. Et à Alors, on va prendre un autre appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Alors, on a un problème. On va essayer de relancer cet auditeur qui appelle pour donner justement son avis. J'espère que la personne en ligne. Allô, Oui, bonjour. allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en Oui, Jonas, direct. je viens, ma participation, il serait souhaitable que ça soit écrit le contrat satanique du Gabonais, contrat satanique du PDG. D'accord. On retient la proposition parmi tant d'autres, d'ailleurs. D'accord. Merci. Merci, à très bientôt. Voilà. Alors, écoutez, il y a beaucoup de titres qui sortent, hein. Ça commence, hein. Voilà. Moi, j'ai proposé les buveurs de sang et puis les prédateurs d'organes humains. J'ai trouvé prédateurs d'organes humains un peu faible. Buveurs de sang, bon, donc j'attends vos titres. Voilà, parce qu'après, vous parlez, oh non, il ne nous a pas consultés. Moi, je vous consulte toujours. Je suis l'un des rares, hein, à recueillir souvent votre avis. Voilà, donc le numéro d'appel pour dénoncer ça, c'est ce dont on parle là, c'est le 0033 7. 52, 52, 36, 52. Je reprends. 0033 52, 0033 7, 52, 52, 36, 52. 0033 7, 52, 52, 36, 52. C'est le numéro du balcon, vous avez ça depuis, hein? Le deuxième numéro aussi du balcon, c'est le 0033 7, 45, 74, 77, 70. Deuxième numéro du balcon uniquement par WhatsApp. 0033 7 52 52 36 52. Voilà. 0033 7 52 52 36 52. L'autre deuxième numéro, c'est le 0033 7 45 74. 77, 70. Voilà, je vois des beaux titres là, de belles propositions. Le règne sanguinaire d'Ali Bongo. Voilà, je vois l'autre, Francine Duez, pour le titre, je dirais simplement Crime rituel, réalité du Gabon. Ouais. C'est pas mauvais, il y a beaucoup de titres qui apparaissent là. Je voudrais dire une chose en attendant le prochain intervenant. Je voudrais dire aux enfants des gens qui gouvernent. Vous,
Je voulais vous demander d'être humble. Vous devez avoir honte de ce que font les gouvernants. Ce qui me fait mal doit vous faire mal. Et apprenez à respecter les gens qui ont fait leurs études avec les moyens du bord, pas avec l'argent du sang. Parce que demain, ce sont les mêmes enfants que vous combattez là, qui vont être au pouvoir. Si c'est moi, vous aurez des problèmes. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Vous allez bien? Ben, oui, ça va un peu. Bon, je viens pour le titre, hein. Oui. Je préfère, bon, pour moi, le corps sans tête. Oui, je t'écoute, hein. J'ai pris un stylo. Je viens pour le titre. Ouais, pour le titre du livre, Le corps sans tête au Gabon. OK. Merci. Je vous en prie, à très bientôt. Au revoir. D'accord. Alors, donc, chacun amène son titre, hein. Je ne peux pas lire tous les messages. Je préfère que les gens appellent parce que quand vous appelez, au moins tout le monde vous écoute. Hein? C'est ça. Voilà, je voulais dire aux gens qui font. Je me fous de tous ceux qui ouvrent leur mandibule là pour m'insulter. Franchement, je n'ai rien à foutre. Moi, mes parents étaient des personnes honorables, des personnes dignes, qui n'ont pas fait de mauvaises choses. C'est pourquoi je ne verserai pas ça, dans ça. Il y a des gens qui savent que leurs parents sont des criminels, des sorciers, mais ils défendent systématiquement. Moi, je n'ai rien à foutre. Donc, vous pouvez venir m'insulter comme vous voulez. Je vois les messages d'un jour là. Les gens qui envoient les messages, je m'en fous. Ça ne va pas entamer ma détermination. Vous ne me connaissez pas. Voilà, ce n'est pas moi qu'on insulte. Je n'ai rien à foutre, ni d'Ali Bongo, ni de tout le reste là. Personne n'a contribué. Je me suis construit seul. Je ne suis redevable que vis-à-vis du peuple gabonais qui me soutient au quotidien. Ce n'est pas de vos mères, vos pères qui sont là, qui sont tous pourris jusqu'à la moelle épinière. Moi, j'ai de fierté. Je suis fier. Je viens d'une famille pauvre, mais avec des fortes valeurs. Chez nous, le sang humain est sacré. Donc, vous fermez tous vos trous quand on parle des problèmes du Gabon. Je vois des imbéciles, excusez-moi. Parce que les gens refusent le respect. Des imbéciles qui viennent me dire non, l'affaire s'est passée depuis 30 ans, ceci. Donc, parce que c'est depuis 30 ans, on ne parle pas de ça. Vous n'avez pas vu des enquêtes impossibles ici. On parle des choses depuis. Donc, ça doit devenir une normalité parce que c'est passé depuis 30 ans, ou depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans. Vous êtes des malades. Vous êtes comme vos pères et vos mères. Vous êtes des malades. Vous irez pourrir en enfer. Quand le pays va changer, vous aurez affaire à la justice. Moi, je n'oublie rien. Moi, je capture tout ce que vous faites là. Mais je sais que dans le Gabon de demain, je jouerai un rôle important. On va vous chercher. On va vous traquer comme des bêtes de somme. Parce que vous devez répondre de vos actes devant la justice. Vous êtes complice en pratiquant le déni. Vous êtes complice en encourageant les vilainies. Donc, moi, je n'ai rien à foutre. Vous n'avez pas honte. Vous êtes nombreux. Vous avez fait vos études avec l'argent du sang et c'est vous qui venez narguer les gens. N'avez pas honte. Ça veut dire quoi ça? Bon, je vous donne encore quelques temps. Après, je vais boucler parce que j'ai autre chose à faire. Hein. Les gens qui ont fait des études avec l'argent du sang, l'argent du PDG, c'est l'argent du sang. Depuis Omar Bongo, on tue. Donc, vous venez ouvrir la bouche aux gens. Vous n'avez pas honte. Oui, qui m'insultez. Je vois des gens qui envoient des insultes là, machin, même sur WhatsApp, au lieu d'appeler. Pourquoi vous ne venez pas, machin? J'attends. Maintenant, même, j'appelle aussi les enfants de ma balle aussi. Pourquoi ils ne viennent pas parler? Ils sont venus m'insulter là. Venez intervenir maintenant. Oh non, il faut que je vous donne la parole. Maintenant, j'ouvre le micro, vous ne venez pas parler. Venez ouvrir vos mandibules. Vous venez m'insulter. Moi, je suis fier
d'être une famille pauvre, mais d'une famille de gens vertueux, de personnes qui ont des valeurs. C'est ça. Et j'ai suivi cette voie traditionnelle-là. J'ai été éduqué pour être quelqu'un qui a des valeurs, de fortes valeurs. C'est pourquoi je ne me mets pas avec n'importe qui. Je ne me mets pas avec les oripeaux. Vous me voyez, moi, coller des enfants de grands types parce qu'ils sont enfants de terre, je m'en fous. Pourtant, au Gabon, je connais des gens. Hein. Je connais pas mal de monde, hein, mais je ne cours pas. Hier, je parlais à ma soeur, Tata Huguette. Je l'ai appelée parce que j'avais fait un rêve qu'on était de retour au Gabon, tout ça. Et j'ai partagé. Et parlant un peu d'un frère, j'ai dit à Tata Huguette que moi, je ne cours pas les amitiés. Si un ami pense que je suis important, par exemple, Mike Joctan, c'est un frère, c'est un ami. Quand il est venu ici en 2016, j'ai aidé à organiser la réception. Il pense que je suis important. Je veux le voir. Mais vous n'allez pas me voir courir derrière chaque homme politique qui arrive, comme le font certains activistes qui courent pour aller chercher de l'argent. Jamais, je n'ai pas besoin de ça. Et pourtant, moi aussi, j'ai aussi besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Vous n'allez pas me voir courir. Parce que qui mange partout sera méprisé partout. Qui mange partout sera méprisé partout. Un homme doit être intègre. Un homme doit se respecter. On ne va pas te voir avec tous les hommes politiques qui arrivent. Au Gabon, on n'a plus de valeur aujourd'hui. On respecte des zinzins comme ça qui défilent devant chaque homme politique. Oui, qui ont des amitiés avec les hommes du pouvoir. Moi, et pourtant, j'ai le numéro de tous ces ministres-là. J'ai le numéro de ces ministres-là. Quand il y a quelque chose, j'appelle, je dis, écoute ça, là. Tu m'arrêtes ça, tu m'as. Moi, je ne rigole pas avec eux. Je ne rigole pas avec eux. J'ai le numéro de tout le monde, du plus petit au plus grand cadre de la République. J'ai le numéro. Vous n'allez pas me voir les supplier, non. J'ai besoin de ceci. Est-ce que tu peux me rendre ce service? Non. Parce que qui joue avec le chien, c'est l'échelle de la figure. Qui joue avec le chien, c'est l'échelle de la figure. Donc, moi, je n'ai rien à foutre. Donc, ouais, je vois beaucoup de titres là, je note, hein, on va voir un peu. On va sélectionner. Et puis après, bon, l'éditeur peut changer. Jusque-là, les titres que j'ai proposés à l'éditeur, les deux premiers livres, ce sont mes titres, ils l'ont enlevé. Et puis, sachez qu'à l'harmattan, c'est un travail fini, fait, tu appelles. On n'enlève pas une virgule. Voilà, donc, je propose un travail fini, c'est pourquoi je prends assez de temps. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui a posé la question. Les livres sont disponibles à la FNAC sur Amazon. Il y a un Gabonais qui est aux États-Unis, il a commandé le livre, il a reçu ça. Il a commandé la version numérique. Donc, vous pouvez l'avoir en PDF si vous commandez sur le site d'Amazon ou au niveau de la FNAC ou les autres espaces de vente en ligne, là. Hein, donc, ça, vous pouvez l'avoir. Donc, même ceux qui sont au Gabon peuvent l'avoir en version numérique, quand c'est bloqué. Et je sais que celui des crimes rituels va être bloqué aussi. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, on ne peut plus bloquer la connaissance. On ne peut plus bloquer parce que, avec une nouvelle technologie de l'information et de la communication, ça va très vite. Donc, ne vous en faites pas. Donc, moi, je m'en fous de tous les rigolos là qui viennent m'insulter, machin. Ça, c'est zéro. Moi, je prends ça comme des compliments. Ça prouve que le travail porte. Je poste là, c'est pour voir, c'est des ballons d'essai. Vous savez, si j'étais bête, même mes ennemis reconnaissent quelque chose que je suis intelligent. C'est des ballons d'essai que je balance comme ça. Je lance, et je vois comment ils vont réagir. Et beaucoup tombent, mains et pieds liés. Et ça prouve qu'ils ont des choses à se reprocher. Pourquoi venir insulter Moulinda? Venez une bonne fois débattre. Là, j'ai ouvert le machin. J'attends que quelqu'un vienne ouvrir ses mandibules. Donc, vous êtes fort pour écrire le français tordu? Vous dites que vous êtes allé à l'école. Et venez débattre, pourquoi vous ne venez pas débattre? Oh non, je ne viendrai pas, ma chère, parce que vous avez honte. Venez maintenant débattre. J'ai ouvert le micro là. C'est pour que les gens viennent parler. Et j'ai l'ordinateur là, j'ai un deuxième ordinateur là. Tout le dossier là. J'ai le disque dur là. Quand tu me fais la bouche, voilà l'autre disque dur que j'ai retrouvé là. Donc, qui vient ouvrir sa bouche là? Je branche ça, je sors la date. Tel jour, ton père a été accusé de ceci. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce machin? Tel jour, ta mère a été, machin. J'attends ça.
Moi, je n'ai jamais vu. C'est un pays où les gens narguent. Ils pensent que c'est une normalité. Tuer quelqu'un, détruire une vie humaine, les gens pensent que c'est normal. Détruire une vie humaine, c'est devenu une normalité au Gabon. Quand les gens n'ont rien dans la tête, quand ils ont grandi dans la bestialité, ils pensent que c'est normal. Donc, il n'y a pas de gens qui doivent dénoncer ça. On ne doit pas écrire à cause de ces imbéciles-là. Ils sont qui? On pense que pour promouvoir, oui, c'est Sylvestre Modeste Nguema Ondo. C'est un bon titre aussi pour toi. Hein? La République des buveurs de sang, ouais. Ouais. J'aime bien. La République des buveurs de sang. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant comme titre. La République des buveurs de sang. Ouais, ça, c'est pas mauvais. Il y a buveur de sang. Il faut qu'on sente, en fait. C'est intéressant qu'on retrouve ça dès le titre. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller réfléchir. Il ne faut pas que les gens... faut pas qu'il y ait l'énigme. Vous savez, j'étais allé quelque part... J'habitais quelque part. Et la femme de ma bailleresse, et la fille de ma, l'une des filles de ma bailleresse était mariée au maire de la ville. Donc c'était un privilège pour moi. Et presque chaque week-end, il venait à la maison. Et ma bailleresse m'a présenté à son gendre et à sa fille. Et ils étaient sur un projet pour embellir la ville. La propriété et tout. Et ils avaient un sujet par rapport à la publicité qui était à mettre. Et c'est comme ça que la femme a dit, mais en fait, mais le bailleur, c'est un journaliste. C'est des gars qui sont forts dans les titres. Est-ce que on ne peut pas lui demander? Et c'est comme ça que son mari a dit, mais appelle. Et c'est comme ça que la bailleresse m'appelle. Il vient, il y a ma fille et son mari qui sont là. Et c'est comme ça qu'ils m'ont présenté beaucoup de titres pour dire aux gens de ne pas salir la ville. Ils avaient mis des photos, ne faites pas ça, ne faites pas comme ça. Soyons propres, machin. Et j'étais là, j'ai regardé. Et j'ai dit au maire, j'ai dit, monsieur le maire, je propose une chose. Dites, notre ville est belle, n'en faites pas une poubelle. Parce qu'il y a des gens qui jetaient les mégots de cigarettes, les trucs, machin. Et ils ont apprécié, et ils ont retenu le titre. Au malheur, moi, j'ai plus duré là-bas parce que je suis parti à cause de ces tueurs-là. Mais le maire a dit, ah, vous êtes bien, on sent un journaliste. J'ai dit, mais j'écris un journaliste de presse écrite. C'est mon travail de donner les titres. Donc, la République des buveurs de sang, ouais. C'est pas mauvais. Moi, j'avais mis ce mal buveur de sang. Mais la République des buveurs de sang, ça cogne bien. La République des buveurs de sang, ça cogne bien. Beaucoup vont se retrouver là-dedans. Voilà. Voilà. Bon. Là où le bât blesse, le système numérique accable les sorciers. Oui, mais justement, les livres sont sur Amazon. Si vous allez là sur Amazon, là, vous commandez, il suffit d'avoir une carte bancaire. Vous allez recevoir là. Le premier, c'est l'insupportable. Le deuxième, c'est les blessures de mon âme qui gratte déjà sérieusement quelqu'un, enfin les gens. Et le troisième, là, c'est la République des buveurs de sang, là. Hein? La République des buveurs de sang. Voilà. Bon, écoutez, je vous ai donné la parole. Bientôt, je vais partir. Donc, s'il y a des gens qui veulent intervenir pour la dernière fois, hein, je vais bientôt partir parce que j'ai autre chose à faire là. C'est samedi, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je prépare. Hein. Donc, allez, servir la belle et la bête. Je vois beaucoup de titres, hein. Je savais que ça arriverait là aussi. Voilà.
Donc, mes chers compatriotes, j'ai donné la parole. J'ai dit au fils de Martin Mabarala que je les attendais pour venir parler. Quelqu'un qui demande s'il peut appeler. Oui, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler parce que bientôt je vais m'en aller. Hein, parce que. Bon, c'est bon, on va rappeler la personne qui a souhaité être appelée là, hein, rapidement. Ah, allô? Bonjour. Hein? Vous avez demandé à être appelé, oui. Bonjour, monsieur Moulenda. Bonjour. C'est quel pays? Vous êtes dans quel pays? Bonjour, vous m'entendez? Oui, vous êtes dans quel pays? En Russie, je vous appelle depuis la Ah, Russie. vous êtes en Russie. Alors, Vladimir Poutine va bien? Ça va, le vieux, bon, il s'accroche toujours au pouvoir, mais c'est OK. Il prend ses médicaments, c'est tranquille. Ok, tant mieux, tenez bon. C'est OK. On s'accroche. Je ne vous retiens pas très, très, très longtemps. Il y a une dame, une sœur qui a appelé là tout à l'heure. En fait, je suivais le live toujours en différé et en parallèle, je lisais aussi un peu les journaux, ce qu'on a sur la toile actuellement. Bon, pour les titres, je vous ai envoyé quelques-uns. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de les lire, mais bon, c'est vous-même qui voyez. Moi, je voulais juste rappeler quelque chose. En fait, il y a quelque chose qui me frappe, il y a quelque chose de très, très, très bizarre qui m'a immédiatement sauté aux yeux en lisant en fait, les journaux, là, ce qu'on a. C'est que je vois qu'apparemment, le frère du président togolais vient à Libreville pour se faire soigner ou poursuivre des traitements, enfin, des choses de ce genre. Et que le Gabon apparemment aurait été le seul pays qui aurait accepté les conditions de son frère pour qu'il soit évacué. Moi, la question que je me pose dans tout cet amalgame, c'est que, enfin, est-ce qu'on est sérieux quand on est dans un pays où la majorité des personnes qui sont au pouvoir vont se faire soigner à l'étranger? Le pouvoir politique en place aujourd'hui n'a même pas les moyens de faire évacuer un ministre des Affaires étrangères qui est en larmes en plein Conseil des ministres. Et c'est maintenant au Gabon que les gens viennent se faire soigner. Et le problème, c'est que ce mec n'arrive pas seul. Il vient avec une armée. Je ne sais pas si c'est une armée, si c'est des gardes du corps. Je ne sais pas exactement. Mais les gens ne se posent pas de questions par rapport à tout cela. C'est-à-dire que on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Il y a des forces armées étrangères qui vont débarquer au Gabon. Nous, pendant ce temps, avec les problèmes qu'on a suite au naufrage, que Dieu ait leur âme à ceux qui n'ont pas pu survivre, on a la petite là qui s'est fait dézinguer en Turquie. Il y a personne qui ne dit absolument rien. Donc, les Gabonais, ils meurent partout dans le monde. Il y a personne qui ne dit rien. Ça n'intéresse absolument personne. Je ne sais même pas s'il y a des discussions au niveau, je sais pas moi, entre l'ambassade, les familles éplorées, etc., pour la petite Dina qui est morte en Turquie. On ne sait pas trop ce que le ministère des Affaires internes aujourd'hui fait suite au naufrage. Quelles sont les conditions? Nous, pendant ce temps, on a un président qui boite et qui va danser partout, je sais pas, dans Lolo, qui va faire, je sais pas, on est déjà en pré-campagne. Est-ce qu'on est dans un pays de gens sérieux qui se rendent compte de ce qui se passe et qui arrivent à analyser un peu ce qui risque d'arriver? Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Il y a tous ces pays. Il y a le Maroc, il y a la France, il y a la Suisse. Donc, pour un président, enfin, pour le frère d'un président qui voudrait vraiment se faire soigner, venir au Gabon, sachant qu'il y a des centaines de Gabonais qui n'ont même pas de coton, qui n'ont même pas d'alcool, qui doivent aller faire la queue devant les pharmacies pour acheter le strict minimum. Mais pendant ce temps, notre président va et il se pavane devant les journaux en disant qu'il a reçu, je ne sais pas, quel lot, quelle dose de médicaments, etc. On n'est même pas capable, nous-mêmes, d'acheter des médicaments. On est obligé de recevoir comment dire quoi, des donations, comme ce fut le cas pendant la période du Covid, où il est allé
recevoir, je ne sais pas moi, des masques à l'aéroport, etc., qui venaient de la Chine. Est-ce qu'on est sérieux dans ce pays et est-ce que les gens voient un peu le mal qui vient de loin avec tout ce qu'on va nous ramener là? Et surtout, il faut retenir que 2023 sera une année très critique parce qu'il y aura l'élection présidentielle, certes, mais ce sera une année critique sur plusieurs points de vue. Et nous, on ne voit pas le mal. Ils nous balancent des pilules comme ça, à la va-vite, voilà. Il y a un tel qui vient se faire soigner à Libreville. Mais bon, il arrive avec une armée de 200, 300 hommes parce que son frère n'a pas confiance, il ne veut pas le laisser filer. Ou je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Non, mais est-ce que les gens... Non, je veux... permettez-moi de vous interrompre. Cette affaire est rouge. Il ne vient pas se soigner. C'est un fils de président. Il y a des mains restées quand même une quarantaine d'années au pouvoir. Donc, c'est des enfants qui sont suffisamment nantis. S'ils veulent se soigner, ils peuvent aller en France, ils peuvent aller au Canada, ils peuvent aller aux États-Unis, ils peuvent aller partout. Ils peuvent aller en Suède et tout. Il est venu, mais c'est ce que vous disiez. C'est ce que vous disiez d'ailleurs il y a quelques minutes, que ces gens-là, ils ont dû faire des pactes étant jeunes. À l'époque, lorsque leur père était au pouvoir, etc., ils ont dû faire des, je sais pas moi, disons que des pactes entre eux, en disant, OK, moi je t'aide, toi tu m'aides, on s'entraide, mais on reste au pouvoir. Mais c'est ça. Donc moi je n'oubliez ne pense pas, que... N'oubliez pas qu'en 2009, en 2009, lorsqu'il y a eu le massacre post-électoral à Port-Gentil, il y avait des Togolais qui avait été envoyé par la famille Eyadema. Moi, j'étais... Exactement. Il y avait des Togolais dedans. Donc là, c'est une ministre qu'on nous amène, on fait croire qu'il vient pour se faire soigner au Gabon. C'est des histoires. Il n'a pas à se faire soigner au Gabon. Au Gabon, il y a quelle structure médicale? Vous avez déjà entendu? Il n'y a rien. Il n'y a rien, justement. Il n'y a rien. Les gens vont soigner en Guinée équatoriale, vont soigner au Cameroun, ils vont au Congo, mais ils ne viennent pas au Gabon. Mais il y a le Sénégal, il y a la Côte d'Ivoire juste à côté du Togo. Ils n'ont pas besoin de venir jusqu'au Gabon pour faire ça. Il ira se faire soigner où? Ouais. En tout cas, on va chez Nganga, chez... On va gagner une émission. Il faut qu'on le traque. Je vais appeler des collègues togolais. D'ailleurs, là, il y a même un journaliste d'investigation qui a pourtant disparu au Togo là-bas. On va organiser une émission, hein, parce qu'il faut qu'on sache ce que ce type-là fait. C'est notre pays, on ne va pas accueillir n'importe qui. Ah non, c'est trop facile. Ok. On va préparer une émission pour... débattre de ça, dénoncer ça. Il faut en reparler, M. Moulinda, parce que c'est très dangereux. Hein. C'est très dangereux ce qui risque d'arriver, là. C'est très, très, très dangereux. Et les gens ne se rendent même pas compte. Hein. Ouais. C'est comme la blague, là. Ouais. C'est comme la blague. Ouais. Il n'y a pas de souci. OK, je vous remercie. Merci, bon week-end en Russie. À vous de même. Mmh. À bientôt. À bientôt. Alors, on va terminer, hein, on va boucler l'émission. J'ai attendu le coup de fil. Les gens ne sont pas courageux. Vous voyez, quand il s'agit de trucs comme ça, les gens, ils n'appellent pas, ils ne sont pas courageux, ils ont peur. Voilà, le Togo fait partie des fournisseurs des milices au Gabon. Voilà, ça, je l'avais déjà dit. Moi, je viens souvent vous dire ici. Moi, l'office, il y a des malades, je n'aime pas sa bouille. Franchement, je vous dis la vérité. Je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Mais je n'aime pas sa bouille parce que c'est un sanguinaire. Comme son père. Donc, franchement, le Gabon, on ne se réveille pas, on est là. On est dans les distractions, il y a des artistes. Vous avez vu qu'à côté, en Angola, il y a un rappeur, un artiste, qui a appelé à une journée de boycott, ville morte, et ça a marché. Il a appelé ça hier. Les gens ne sont pas allés travailler hier. Ils sont restés chez eux. C'est un artiste. Mais chez nous, au Gabon, les artistes, pour aller faire du kunabélisme, pour aller chanter à la parole des gens, ils sont tellement mendiants. Ils n'ont aucune valeur. Pourquoi je n'écoute pas leur musique? Moi, je préfère écouter autre chose, hein, écouter la musique traditionnelle. Bon, les rares, c'est le chadem, machin, que j'écoute. Mais au Gabon, on est là, on est en train d'enfoncer le pays dans une crise abyssale, une crise multiforme. Mais les gens, ils sont là, ils sont contents. Ils pensent que les choses vont se... Bon, on va prendre des derniers auditeurs. Vraiment, les gens appellent pour donner mon allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, monsieur Jonas? Dieu veille, merci, et vous? Ah non, ça va. Moi, je vous appelle de Libreville. Il y a un soleil, et je pense que c'est le soleil de la vérité qui est en train d'arriver.
Désolé pour le retard de l'appel, votre émission est tellement passionnante que parfois on reste captivé. Alors, cette histoire des crimes rituels, je pense que c'est une très bonne chose que vous puissiez écrire sur la question, parce que l'histoire retiendra cela. Parce que tous ceux qui viennent pour vous insulter ou pour dire que c'est des histoires qui remontent il y a de cela 30 ans, ils ne voient pas qu'aujourd'hui on parle de ce qui s'est passé avec la Shoah. Ça remonte à des années, ça fait 50 ans, on est en train d'aller vers un siècle. Donc moi, je vous encourage à faire ce travail-là. Et pour le titre que je propose, c'est Le pouvoir au prix du sang. Et en parenthèse, là-bas, vous pouvez dater selon la période de vos investigations. Et honnêtement, je pense que plus il y aura des personnes qui seront à même d'écrire sur ce qui se passe au Gabon, ça pourra vraiment stimuler des vocations et la prise de conscience surtout. Parce que j'entendais tout à l'heure, on disait que les Gabonais ne parlent pas, ils sont silencieux. Moi, je reste convaincu hein, qu'au-delà du physique, il y a quelque chose de mystique. C'est à cause de ça qu'il y a toutes ces pratiques-là et c'est des pratiques sataniques. Et je reviens sur la personne qui disait, est-ce que le régent de la République avait honte lorsqu'il recevait ses homologues? Mais ce que l'on doit comprendre, c'est que la plupart des chefs d'État, ils sont dans des confréries, ils sont dans des pratiques occultes, voire sataniques. Ce phénomène des crimes rituels, ça se passe ici au Gabon vraiment sur une échelle vraiment élevée, mais ailleurs, sous d'autres cieux, ça se passe de façon plutôt masquée. Voilà, mais comme nous sommes Gabonais, nous allons nous limiter dans le cadre du pays. Et je pense que nous ne devons pas cesser de dénoncer parce que il y a des personnes même que l'on recherche jusqu'à ce jour et on n'en parle pas, les médias sont silencieux. Et s'il n'y avait pas des personnes comme vous, à l'époque, le journal Faits divers, on ne devait pas apprendre que le phénomène vraiment a pris de l'ampleur. Et par rapport à la photo du métis que vous avez présentée tout à l'heure, effectivement, nous avons vu cette image-là à l'époque. Et nous, ça nous étonne de savoir qu'un individu pareil, extrêmement dangereux, puisse se retrouver hors des geôles. Ça montre vraiment le caractère sanguinaire de ceux qui gèrent cette justice-là. Mais nous pensons que plus les années passent, plus il y aura des personnes conscientes de ce fait-là, des personnes qui dénoncent vraiment la barbarie de ceux qui gèrent ce pays, nous allons y arriver. Et surtout, je vous donne un conseil, ne faites pas attention aux injures vraiment de ces personnes-là, parce que bon, on sait comment ça se passe, ce sont des avatars qu'ils envoient sur le net pour pouvoir un peu brouiller le débat, mais nous, on reste concentrés. Et ce que je tiens à vous dire, c'est de veiller sur vous, Merci. de continuer le combat. C'est vrai que le balcon nous manque. Aujourd'hui, j'étais même étonné de pouvoir le suivre à cette heure-ci parce que généralement, c'est de façon nocturne qu'on reçoit cela. Mais nous, on est là. On D'accord. vous suit On et va vraiment, ramener les l'encourage, émissions. n'abandonnez pas. Il y a des Gabonais qui sont là, qui, certes, dans le silence, réfléchissent sur les voies et les moyens pour faire changer les choses. Et je pense que le jour où la trompette sonnera, tous ces Gabonais-là sortiront. Je pense que ça va arriver. Et c'est même pas loin, en fait. Ok, Voilà. merci, merci Donc, beaucoup. je vous souhaite un très bon week-end. Que Dieu veille Merci. sur vous et le combat continue. Merci à vous Merci aussi. beaucoup. À très bientôt. Au revoir. OK. Au revoir. Alors, il y avait quelqu'un qui avait appelé. Je ne sais pas si la personne voulait intervenir. Hein. Alors là, les gens... c'est toujours au dernier moment que les gens se réveillent. C'est terrible. Allô? Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour, il y a Jonathan. Oui, on est en direct, Moi, oui. j'avais peur. Oui. J'appelle. Oui, allô, bonjour. Oui, je suis en direct, oui, vous voulez parler? Vous dites quelque chose? Ah, ok, j'avais déjà peur. J'ai dit, ah, il y a Jonathan, c'est où? On Non. a déjà fait peur bien comment. Non. Voilà pourquoi j'étais en dessous des tours de t'appeler et tout, Non, ça va pour aller. tout juste apprendre des nouvelles, quoi. Ok, merci d'avoir Sinon, passé. ça va là-bas? Oui, ça va, Dieu veille. Merci. Ah, ok. C'est Bon. que je voulais savoir, parce qu'il faut qu'on veille sur quoi. Oh. Merci On beaucoup. est là, on est conscient que le Gabon va se libérer un jour, on va venir t'accueillir à l'aéroport. Ça Merci va beaucoup. arriver, Dieu est là. Merci. Ça Bon, bon week-end à tout le monde. arrivera, Dieu est là, Dieu est à tout placer sur sa route.
Merci beaucoup. Donc, vraiment, doucement là-bas, Oya Jonas. Merci beaucoup. Doucement, doucement là-bas. Ça va aller. Je vous laisse là-bas. Je vous laisse avant savoir comment tu vas. D'accord, merci. Je t'appelle Inbox. Merci. À bientôt. Ok, je suis même ton émission que tu fais là. Ok. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Alors, il y a des gens bienveillants. Il n'y a pas que les sorciers là qui viennent m'envoyer les messages d'un jour. Franchement, je voudrais vous dire une chose. J'ai connu beaucoup de choses. Dans ce combat, j'ai tout vu déjà. Plus rien ne me fait peur. Pas les menaces à deux balles, au contraire. Vous voyez que je suis dans une attitude de défiance. Parce que le travail que je fais, c'est Dieu qui est dedans là. Ce n'est pas les démons là. Le travail que je fais, c'est Dieu qui est dedans. Ali Bongo n'est pas plus puissant que Dieu. Les sorciers là, ceux qui font les crimes rituels, ils ne sont pas plus puissants que Dieu. Ceux qui ont tué par le passé là, ils sont aujourd'hui. Beaucoup sont sous terre. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont m'influencer parce qu'ils viennent dire des choses là, parce que les gens ont fait le droit, moi je m'en fous, je n'ai rien à foutre. Moi j'aurais pu faire droit. Dans mon domaine, j'ai fait partie de l'élite. Donc on ne vient pas m'influencer avec des conneries là. Les gens ont peur que le livre sorte parce qu'ils ont des parents qui sont mouillés, trempés là-dedans. Mais on ne m'influence pas. Le livre sortira. Les prédateurs d'organes humains là, ils seront dépouillés. Je n'ai plus peur. Ma mère est déjà partie. Hein. Je ne suis pas pressé de rentrer au Gabon là. S'il y avait quelqu'un qui pouvait faire en sorte que j'écoute le voyage là, que je fasse même le compromis pour rentrer, pour la voir, c'était ma mère. Parce qu'elle était fatiguée, elle ne pouvait plus prendre l'avion pour venir jusqu'en Europe. Mais mes frères, mes soeurs peuvent prendre l'avion, mes enfants peuvent prendre l'avion pour venir me voir. Donc, ça là. Je voulais. Estelle René, même le grand frère appelle Yann Jonas. Yann Jonas est un enfant. Oh, toi aussi. Tu veux faire comme Patience d'Amérique qui a dit qu'Ali, c'est un enfant. Quel pays. Bon, je ne sais pas. Bon, Yann, c'est souvent pour. C'est vrai que c'est pour les personnes âgées, c'est un peu dénaturé aujourd'hui au Gabon. Mais je fais comment? Pour être grand dans le combat que je mène. Parce que je vous informe aujourd'hui que j'ai fait 30 ans de combat. Hein? J'ai fait 30 ans de combat. Dans cette opposition, il y a plus beaucoup. Qui ont tenu 30 ans. Ça fait 30 ans là. De combat. Ceux qui m'ont vu arriver dans ce combat-là, c'est Benoît Moutine Nzamba. Voilà. Il est encore en vie. Parce qu'il était au PGP. Le Parti Gabonais du Progrès de Maître Pierre-Louis Agondjo-Kawé. J'étais le premier président de l'Union des jeunes Rendjambé. Ça fait 30 ans. Peut-être on me dit, il y a Jonas par rapport au combat, j'accepte, je reçois. Hein? Voilà. Donc, franchement, je n'ai aucune animosité. Tous les gens même que je cite là, dans le livre, là, c'est des gens que je connais, des gens que je côtoie. Il y a par exemple, lui, le crime à Tchibanga sur Djibi Gundu. Et là, Alexis Boutamba-Mbina avait été cité. Je parle de Boutamba. Alexis, c'est un ami. Alexis Boutamba-Mbina, c'est un ami, c'est un frère, un grand. Donc, mais quelqu'un, Boutamba-Mbina, ne peut pas dire que je suis contre lui, que je le déteste. Il ne peut pas dire ça. Jamais. Il ne peut pas douter de mon amour de petit frère. Mais moi, j'ai fait passer les valeurs morales avant tout. C'est des valeurs morales. Même si tu es mon ami, tu es mon frère, mais si tu es cité dans une affaire qui n'est pas claire, j'ai dit, voilà ce qui s'est passé. C'est l'esprit de justice qui m'anime. Dans mon village, dans mon pays, dans ma communauté, en pays Guissir, un homme doit être un justicier. Quand c'est bon, il dit c'est bon. Quand c'est mauvais, il dit c'est mauvais. Ça, les gens ne me comprennent pas.
Ils ne me comprennent pas. Ils ne sont pas obligés de me comprendre. Parce qu'on n'a pas suivi la même trajectoire. Les deux femmes que vous voyez en fond d'écran, qui sont mortes, c'était la mère. La vieille maman, c'était la mère de celle qui est là. Ils ont été massacrés à Mabouni. Ils ont été délaissés de leurs organes, de leur sang. Après, on a brûlé les corps. Je suis allé voir l'horreur. Les gens sont les tueurs. Koumerang, c'était lui le pionnier. Koumerang, c'est un tueur à gages. Protégé par Antoine de Padoum-Boumboum Yakou. Et il a même épousé la soeur d'Antoine de Padoum-Boumboum Yakou pour avoir la protection. C'était le tueur à gages. Il a tué. La dernière fois qu'il a tué, j'étais à Lambaréné. Vous allez voir dans le livre. La dernière fois qu'il a tué, j'étais à Lambaréné. Il a tué un Béninois. Et c'était le nec plus ultra. C'était la ligne rouge à ne pas franchir. Il a été arrêté, Koumerang. Il a été arrêté. Il a été mis en prison. Je me rappelle à l'époque, c'était Ruffin du Koumba qui était juge d'instruction, chargé de l'affaire. Il vient encore demander, Ruffin du Koumba, cherchez ce nom, c'est un gars intègre. Koumerang tue le pauvre Béninois. Il le dépèce, il enlève les yeux, il prend du sang, il fait tout. Il jette le corps dans un cours d'eau. Les gendarmes l'arrêtent. Moi, je suis là à l'hôtel, vous allez voir dans le livre. J'étais venu pour enquêter l'histoire sur l'histoire de machin. En 2001, le Béninois était allé rendre visite à son frère, Paul, qui était à Lambaréné, vulcanisateur. On l'a tué, Koumerang l'a tué avec ses amis. On prend Koumerang, on met en prison. Mboumboumi Yakou Antoine de Padoue, puissant ministre d'Omar Bongo, il prend son avion, il débarque à la prison centrale. Il fait sortir Koumerang, il fait remplacer tous les juges qui étaient chargés du dossier. Les Béninois ont pris, ils ont dit, ah bon? Il a tué notre frère, on l'a sorti parce qu'il est le tueur du régime, parce qu'il est protégé par Mboumboumi Yakou. OK. Ils ont pris l'avion, ils sont allés au Bénin, ils sont allés travailler. Koumerang a eu un ventre ballonné. Il est mort comme un misérable. Vers le carrefour Boulingui, à Libreville. Il est mort pitoyable. Abandonné par sa famille. Koumerang est mort en 2001. Celui qui tuait les gens à Lambaréné. La terreur, c'était Koumerang. Il est tué pour le régime d'Omar Bongo. Désolé pour ses enfants. Mais c'était un tueur à gages. Même à la veille de l'élection présidentielle de 2018, le pouvoir avait besoin d'organes humains. Koumerang a déployé ses tueurs vers Medan Kogue, vers Bifoun. Il a déployé ses tueurs. Ils sont allés attraper une femme qui s'appelait Manzinza, Manzinza qui avait ses deux neveux qui étaient à Port-Gentil, qui travaillait dans la société pétrolière. Des jumeaux. Les jumeaux Yenou. Ils ont tué cette femme-là. Ils l'ont dépecée. C'est les voisins. Hein? Les voisins immédiats. Et ils ont enterré. Les enfants sont partis de Port-Gentil pour aller là-bas aller enquêter. Rien. Ce sont les voisins, ils faisaient comme si de rien n'était. Mais on a tapé le diable. Donc, Koumerang, celui qui a amené les glaciers d'organes humains. C'est pourquoi Lambaréné a été pour moi une étape cruciale dans ce combat contre les crimes rituels. Parce que je voulais comprendre comment on en est arrivé là. Donc, la deuxième étape, après après
Après le Guévindo, c'est le Moyen-Ogoué, l'Ambaréné. Là où ce monsieur a sévi. Il avait même une fois enlevé une femme à Guidouma en 98. Une dame qui l'a enlevée à Guidouma. Guidouma, c'est un village qui est situé entre Fougamou et Mouila. Il a enlevé une dame qui venait vendre du manioc à l'Ambaréné. Et en chemin, il a voulu la tuer. Elle a été sauvée par des passants. Et Koumerang utilisait la même place, la montagne Tchad, où ils enterraient les gens. Après, ils allaient reprendre les ossements. Mais vous avez dit quoi? Tout ça, je suis contre Koumerang. Moi, je n'ai rien à foutre. Pourquoi je suis contre Koumerang? Moi, je ne connais pas la haine. Hein? Je ne connais pas la haine dans mon cœur. Je suis seulement injusticié. Edgar Mukwama, contacte-moi après, on va parler de ça. Hein? Ne t'en fais pas. Il faut que tu me contactes après, il y a quand même des petits points importants. Donc, les gens qui pensent que je suis contre eux, je veux salir les familles. Les familles, elles ont quoi? Moi, j'ai envie quoi à ces familles? J'ai envie quoi? Moi, je ne suis pas envieux, je n'ai pas un esprit envieux. Je suis quelqu'un, j'accepte la vie telle qu'elle se présente, avec la possibilité de pouvoir la changer aussi. Changer le cours des choses. Donc, ceux qui pensent que je suis contre leur famille, oh, c'est un complot. Je ne suis pas dans vos complots. Les complots, c'est pour des basses personnes, des personnes de basse classe, là. Moi, je n'entre pas dans les complots parce que tel, pour qu'ils ne deviennent pas ministres, parce que tel. Je ne suis pas là-dedans. Vous m'enlevez dans vos conneries. Moi, je suis justement injusticié. Donc, vous, là, qui venez ouvrir vos mandibules, là. Ouvrez bien. Ça va changer. Demain, ça va changer au Gabon. Vous allez fuir comme des rats dans les égouts. Parce que quand l'on montre les passants, moi, je fourmis. Moi, j'ai perdu mon enfant. Dans ce... Pas parce que je n'en parle pas tous les jours. Hein. Je perds mon sang dans ces histoires-là. Je souhaite que vous qui venez défendre ces gens-là, que vous soyez aussi dépressés un jour comme ça. Que vous sentiez ce que ça fait un couteau contre... On te dépresse à vif. Faut que vous sentiez ce que ça fait. Parce que là, c'est pas de coup de fusil, on te tire des tumeurs, non. On te dépèse à vif. On commence à te couper la langue, tu as envie. Après, on t'ouvre le thorax, là. Tu as envie. Vous savez ce que ça fait? Vous savez ce que ça fait? Au lieu de vous taire, au lieu de fermer tous vos trous, vous venez menacer les gens. Vous pensez que vous me faites peur? Allez vous faire foutre, je n'ai rien à foutre. Quand vous pensez que le Gabon, la France, c'est le Gabon, on va te retrouver, on va te faire ceci, on va te tuer, on va te taper, machin. Quand vous allez me croiser là, vous allez venir me saluer, vous allez faire le Samalek. Même au Trocadéro là, les gens qui disaient, quand mon Linda viendra ici, on va le faire ça. Quand j'arrivais, il se mettait au Gabon. Même les filles qui disaient, oh, grand, tu es fort. Hein. Les gens, ils menaçaient que quand tu vas arriver, ils vont te. Je leur répondais qu'on insulte l'éléphant à travers ses empreintes, pas à sa présence. On insulte l'éléphant à travers ses empreintes, pas à sa présence. Donc, ceux qui pensent que, parce que je suis en exil, il y a d'autres qui disent, vous allez mourir en exil. Mais ça, il y a une terre, on n'enterre pas les gens. Si je vais mourir en exil, c'est que c'est Dieu qui avoue. Mais c'est que Dieu, mon Dieu n'a pas dit que je vais mourir en exil. Mon Dieu a dit que je serai assis sur une haute marche, que je vais prendre part aux décisions du Gabon de demain. C'est ce que je sais. Tout ce que vous dites là n'est que diversion. Et je sais que dans le Gabon de demain, on va chercher les enfants là. Des gens qui ont tué, qui ont volé. Ils vont rendre des comptes quand leurs parents ne seront plus là. Beaucoup seront dépossédés des biens mal acquis. Donc, fermez vos trous, vous êtes la merde de le monde. Fermez vos trous. Il y a beaucoup de gens qui pleurent leurs parents, qui pleurent leurs enfants qui n'ont pas vu les cadavres. Ayez au moins la dignité. Vous ouvrez vos bouches. Vous avez appris avec l'argent du sang. Et c'est vous qui venez ouvrir vos mandibules pour insulter les gens, d'honnêtes citoyens. Vous êtes qui?
Vous êtes qui? Vous êtes des pauvres oripeaux à jeter dans les poubelles nauséabondes de l'histoire. Bientôt, on n'entendra plus parler de vous. Quand vos mères sorcières, là, quand vos pères sorciers ne seront plus de ce monde, vous allez vous cacher. N'oubliez pas, la famille Mobutu vit en exil aujourd'hui. Mobutu, c'était le roi du Zaïre. Donc, arrive un moment là où vous perdez tout. Et ce moment, vous y attendiez le moins. Où vous y attendiez le moins. Donc, continuez. Continuez vos conneries. Je suis fier parce que j'ai reçu des valeurs fortes. J'ai reçu des valeurs fortes dans ma société. Et aujourd'hui, les Guissiers sont fiers. Ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas parler. Ils sont fiers parce qu'ils savent que je les défends valablement, que je représente la communauté valablement. Et partant, tous les Gabonais qui sont conscients, qui sont épris de justice et de liberté, sont fiers. Ils se reconnaissent à moi. Je suis fier d'avoir contribué à l'éveil des consciences. Et je continuerai d'éveiller les consciences. Quoi que vous fassiez, rien ne va me bloquer. Dieu a permis que je sois en exil pour être libre. Parce que si j'étais resté dans votre pays de putain là, de votre putain de pays, de merde dirigé par de la merde qui est au pouvoir, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Je suis sorti de là. Il faut bien que je profite de cette liberté. Dieu a permis que je ne sois pas avec vous là-bas. Donc, vous qui pensez que l'exil, je vois des gens qui disent, oh, vous allez mourir en exil, mais je rigole. J'ai vu même mon frère que j'aime bien, Jules Bertrand Kamba, s'en prendre à nous. Il a dit, nous allons mourir en exil, mais je rigole. Il ne sait pas de quoi sera fait demain. J'espère qu'il a dit ça, c'est la colère, et puis il va venir. Parce que l'exil aussi, il peut le guetter lui-même. Il y a des gens même qui défendaient le pouvoir qui sont en exil aujourd'hui. Bon, il faut faire attention parce que la partie de la serviette qui est sur les fesses aujourd'hui, c'est la même partie de la serviette qui essuiera le visage demain. Donc, il faut faire preuve de circonspection. Avant d'ouvrir vos mandibules, réfléchissez. Faites preuve de circonspection. On n'insulte pas l'histoire. On n'insulte pas l'histoire. S'en prendre à Moulinda, c'est s'en prendre à l'histoire du Gabon. J'étais témoin privilégié de l'histoire du Gabon ces 30 dernières années. Donc, je suis fier. Dans mon métier, j'ai atteint le summum. En fait, je ne veux plus l'exercer. J'ai atteint le stade d'écrire des livres. Chez les Blancs, quand on arrive avec toute cette expérience que j'ai accumulée, arrive le moment où on se retire, on laisse les enfants. J'ai formé des jeunes journalistes qui sont aujourd'hui directeurs aussi déjà. C'est ma fierté. J'ai formé beaucoup de journalistes. Donc, l'heure est maintenant venue pour moi d'écrire des livres. Même si je peux exercer un autre métier à côté, mais c'est pour moi d'écrire les livres. Parce que je ne voulais pas quitter cette terre sans vous laisser un support qui sera une sorte de bréviaire. Parce que c'est ça l'erreur qu'ont commise nos prédécesseurs, nos devanciers. Et vous savez vous-même que le pied qui glisse montre le chemin à l'autre. Le pied qui glisse montre le chemin à l'autre. Donc, ceux qui pensent que l'exil, c'est une sorte de punition, ils vont s'en rendre vite compte qu'ils se sont trompés et que tôt ou tard, ils vont demander pardon pour leurs inepties qu'ils ont débité, pour les coquelicots qu'ils ont dégoisés sur d'honnêtes citoyens qui ne font que se battre pour un Gabon juste. Quel que soit le temps que cela prendra, je ne perds pas de vue que ce chambardement aura lieu. Mais ce sera le résultat des sacrifices des hommes et des femmes qui ne seront jamais remboursés ou comptés. Merci de m'avoir reçu chez vous. J'attendais que les gens viennent parler, viennent me dire en direct ce qu'ils ont dit. Mais ils ont honte, ils ont eu peur de laisser des plumes, ils ne sont pas venus.
Alors, qu'il se taise à jamais. Bon week-end à tous et à très bientôt. Thank you.